J'espère que ça a streamé le tout début, donc je redis dans le doute. Bonjour les Minecraftiens, ici CLB35 pour le MC4 Live 8. MC4 Live, ça veut dire quoi? Bah c'est que c'est un live. Lol. Et si je fais une intro comme ça en mode rediffusion, c'est parce que il est plus que très 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 probable que personne ne voit cette intro en live. Vu qu'on a prévenu personne, qu'il est midi 15. Alors je vais 16, passer tout le monde l'essentiel goûte. du début du live. Vérifier si le live fonctionne. Il me dit que l'état du flux est satisfaisant, ça fait plaisir. YouTube a le sens de l'humour, ça me fait toujours beaucoup rire ça. Vous êtes en direct, n'oubliez pas de sourire. Y a pas de facecam, et d'ailleurs je n'ai même pas le droit d'en faire parce que l'autorité parentale. Comme la dernière fois, on se retrouve sur MVO avec Spiritus, c'est un Joff et Ben qui n'est pas en conf parce qu'il risque de partir dans vraiment pas longtemps. Moi aussi, mais ça va pas durer longtemps non plus, par Ouais, contre. il va juste partir manger au calme. De sourire. Et à 14h30, par contre, Voilà. j'arrêterai. Donc le live fonctionne parfaitement, avec quelques secondes de latence, rien de bien fou, comme d'hab. Donc je vais me mettre sur la page de lecture. On est vraiment des amateurs pour ce qui est des lives. Donc du T'es coup. quoi? T'as lagué au moment où. Ouais, t'as lagué. Oh, sérieux. On est vraiment des amateurs dans la conception des lives. Ah. Ouais, Donc c'est du coup, bon, faut ça déplacer va là. pas être. Ça va pas être le meilleur live du monde, quoi. Ouais. Ouais. Vous Ben pouvez 13 est en train de se faire passer. défoncer. T'as un joueur aussi. Voilà, Bon. j'ai posté un petit tweet des familles. Tout le monde aime les tweets. Bah, en tout cas, Ben 13 se fait défoncer, visiblement. Par qui, pourquoi, on sait pas. Voilà, bon, sur des lives. Oui, Suis en je train de vais miner alors complètement. que je suis en train de me faire agresser. Et du coup, En vu que c'est mode la même rien à page de foutre. live à chaque fois, c'est toujours les mêmes pouces verts, le même chat. Donc du coup, là, on a encore accès au chat d'hier et aux 12 pouces verts et un pouce rouge d'hier. Donc du coup, si on fait suffisamment de live D'accord. via ce petit système de flux, eh bien, on pourra On atteindre pourrait avoir facilement une le centaine millier de de pouces vues. verts et la centaine de pouces rouges, ce sera juste énorme. Et en Squelette de termes de vues, merde. ça compte juste les vues simultanées. Donc voilà. Je vais pas trop m'occuper de la page du live parce que je sais que ça marche de toute façon et que. Je vais juste mettre sur play comme ça en 240p. Ça lag même en J'essaie de trouver. 240p chez moi, mais bon. J'essaie de trouver une entrée vers les Et bon, grottes pour le je suis prochain. l'hôte aussi, donc ma connexion s'en retrouve bouffée comme pas possible. Alors, programme du live, Effectivement. moi ce que j'avais prévu c'est de Farm. tourner un mini timelapse pour un épisode suivant. À savoir l'épisode 16. Enfin, un accéléré, pas vraiment un Pourquoi un timelapse, mais juste un accéléré en cam de base. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais pour quelle raison? C'est ça que je vois pas Creuser en fait. une salle de l'enfer. À quelle profondeur? Parce que. Juste en dessous de la salle des côtes-côtes, et du gâteau, et des cultures, et tout ça. Et en En dessous gros, faire le encore, principe je. de ce que j'avais fait dans MVO3, mais en un peu mieux. Oui, je pense, un truc dans ce genre. Donc je compte record en timelapse en même temps. Est-ce que des gens sont arrivés sur le live? Ce n'est pas affiché. Je pense qu'on a une audience digne des meilleurs lives, à savoir, attention, attention, vous allez pas le croire, zéro! Ouais, je vais Ouais. tenter une chose, j'aurai. À tout de Ouais. suite. Bref. Donc ce sera rediffusé comme d'hab. Donc là on va surtout attendre qu'il y ait des gens à nous dire bonjour. Une chose, je reviens. À tout de Ouais. suite, suite. Bref. Ah, voilà, donc je ne suis plus qu'avec Spirit. Tout à fait, moi je pêche. Et moi je vais Parce que la commencer. pêche, c'est Oh merde. Le jour où je m'achèterai un cerveau, ça pourra me servir. Pourquoi? Parce que disons que j'ai creusé sous mes pieds sans me soucier de comment je ferais pour remonter. Ah. Parce que je suis un gros boulet. Allez hop, la tronçonneuse, y'a que ça devrait. Hop, et je vais aller chercher de la netherrack. En masse. Hop. Voilà, j'ai commencé mon petit record personnel pour le timelapse justement de l'épisode suivant.
pas si ça s'imposait de creuser aussi profond. Jusqu'à 3 blocs de profondeur. Tu l'as fait alors. Les moutons, je vais pouvoir XP avec les mobs. Enfin, je répare mon épée aussi. Oh, quoi, peut pas être. J'ai pas de je peux faire d'abord pour faire un arbre. Je crois que j'en ai eu moi, j'aurais aimé aller. Mais bon, c'est pas très grave, je vais m'en crafter une. Alors. Est-ce qu'il y a des gens? Un visionnage en cours. Eh bah, bonjour à celui qui est arrivé. Ouais. MDR, le live vient tout juste de commencer, il commence à une heure complètement aléatoire et il n'est pas du tout teasé, donc c'est normal qu'il y ait personne. Donc, qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui, c'est vrai, une pelle. C'est la pelle du fossoyeur. Allez, j'ai un petit lingot de fer en bonus dans mon inventaire. Oh, alors Ben 13 vient de left. Oh, oh. Oh, c'est saleté de rollback. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Je suis là. Voilà, c'est bon, c'est fixé. Évidemment, ça sera un peu plus grande que ce qu'on peut voir de ce que je creuse. Putain, oh là 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 là, oh j'arrive pas à bouger, n'importe quoi. Ah là là. L'inconvénient des lives en multijoueur. 1, 2, 3, putain de lag. Oh là 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 là. Bref, donc tout ça, ce stream a plutôt bon débit, c'est-à-dire que moi je n'ai quasiment pas de latence. Mais t'as des rollbacks. Ouais, ce qui est pas forcément mieux. Putain, non mais en fait, ça rollback pas, le serveur rollback pas vu que a des items drop et tout correctement. Ouais. Sauf que, comment dire. Quand je me déplace, je suis téléporté en arrière toutes les 5 secondes que ça m'énerve. Voilà. Bon. Ouais. Non, moi la dernière fois, je devais miner 50 fois un minerai de quartz avant de pouvoir l'avoir. Voilà, c'est pas de problème pour le coup, mais bon. Et j'ai un autre problème un peu chiant quand même. Bon. Je vais survivre. Hein. Ça devrait être rigolo en timelapse des téléportations en accéléré. Je vais juste donner envie de vomir aux gens. Je crie bonjour sur le chat pour éventuellement si quelqu'un, la personne regardant le live me réponde. Je ne sais pas qui c'est, ça se trouve c'est Ben 13. Bon, ça m'étonnerait beaucoup de lui. Oh. Plutôt calme cette nuit en fait dehors au niveau des mobs, quasiment rien. Et deux niveaux de plus comme ça la salle sera suffisamment profonde et rectangulaire, parce que des salles un peu carrées ou bien alors rectangulaires dans le même sens, c'est un peu moche je trouve quand c'est plus large que long une salle, surtout quand il faut suivre le schéma des salles précédentes. Alors voilà, j'ai largement baissé les friendly créatures parce que je suis juste à côté des élevages et la machine à poulet de Zephyr, hein, reprise par Tinjoff du coup là, autant elle est ultra productive, on se nourrit en stack de poulet, autant elle fait chier un petit peu niveau bruit. Ah bah. Voilà. Hop. Et là on va tabisser le tout de Netherrack, ne serait-ce que temporairement, on fera une décoration un peu plus élaborée plus tard. Bon d'accord, donc mon cheval est mystérieusement disparu. Ouais, déjà nos gardes s'étaient planqués, Jean-Paul était parti à 300 km. Et bon, Nogar est juste derrière oui. Le truc de Joris. Ouais mais il s'était planqué quand même. Bon, il a juste disparu comme ça, sans prévenir. Bon, bah... Je préfère ne pas casser cette cobble, je sais pas pourquoi. Mais quand il y a des gouttes d'eau qui tombent dedans, ça inspire pas du tout la confiance. Je vois rien. Je vois quelque chose.
Ah, et salut Wither Boy. Le plaisir de voir quelqu'un. Alors. Oui, nos lives ne sont pas du tout teasés nulle part. On fait juste ça pour de manière à ce qu'il y ait une trace visuelle de ce qu'on fait, vu que nos streams ont tendance à laguer pas mal en plus. Mais bon, ça permet de sauvegarder des sessions un peu plus longues et pour ceux qui veulent les retrouver, de justement les chercher dedans. Il y a une playlist pour ça, MC4 Live, que vous pouvez retrouver sur la chaîne en cherchant bien. Alors là, j'essaie de construire un petit peu de manière à faire quelque chose d'un peu plus personnel. Enfin, que je veux dire, que je laisse ma trace un peu dans la série, que ce soit pas Tinjoff qui construise tout, quoi. Peut-être très doué, mais bon, faut bien qu'on donne notre participation, nous aussi. Ouais. Et là, je pense que ce que je vais faire cuire pas mal de netherrack pour faire de nether brick au sol. Avec des motifs en glowstone. Que du full bloc du nether, quoi, pour rester dans le thème. Ah, c'est la salle de l'enfer, alors après, c'est normal que ce Et soit là, full de... en fait, c'est une salle de l'enfer. On aura déjà le portail est placé plus haut, donc si jamais on en a le courage, peut-être qu'on le déplacera ici, mais bon, peut-être pas, on verra. Mais voilà, et on aura quelques fermes, je pense. On aura nos Nether Wart, on aura donc nos Nether Wart et nos stands à potions. Ok, la bouffe est en train de cuire, ça s'entend au hurlement désespéré des poulets. Et Ah, et merci de dire que tu adores mes vidéos, c'est trop gentil. Vous faites quoi? Alors, on fait principalement, comme c'est devinable, du Minecraft. On a une série qui s'appelle Minecraft vous est offert, c'est sur cette map qu'on est en train de streamer là. En gros, c'est une. Oh là là, c'est rollback, pitié. C'est une série qui réunit toute notre équipe, toute notre fine équipe, dans une survie un petit enfin, peu ceux qui sont modifiée. dispo, Ouais, ceux qui sont ceux dispo, qui pas sont tous en même dispo. temps. Pas tous en même temps. Putain de Sinon, je vais jouer. rollback! Alors, Ça y est, il va devenir fou en live. c'est bon, j'ai réussi à choper cet item. Maintenant, il faut que je réussisse à placer ces putains de blocs. Ok, là, je vais faire Fell from a High Place dès que j'arrêterai de laguer. Putain. Bon, trop à voir, ça devrait pas être grand-chose peut-être. Oh putain, voilà, je glitchais. Est-ce que je suis encore en train de glitch? Putain! Je vais craquer. Bref. Psychologique quoi. Ah là là. Et sinon, on a aussi une série qui s'appelle MC4 Play où c'est souvent sur Minecraft, mais pas nécessairement. Où c'est juste du délire sur tout ce qu'on pourra filmer. Et puis on fait quelques Entre lives de poteaux. temps en temps et c'est un petit peu la souffrance ces lives. Faut dire ce qui est. Putain, faut pas que je laisse Il tout faut cuire encore couvert. que je forme un petit Il y peu a plein de l'humain. coupures. Désolé. Ouais, bah, c'est nos lives, Est-ce hein. que Faut notre. s'y habituer. Est-ce que notre. Voix est intelligible malgré tout. Yeah, je suis enfin level 29, je vais pouvoir améliorer mon arc. Et ça fait plaisir. Alors là, je me détends, je me mets vraiment temporairement pour le coup. Il faudrait qu'on aille dans le Nether, chercher un petit peu sous le sand. Le sable des Attention. esprits. Sable Ça, rose, salle quoi. des âmes. Des âmes. Ah, et Sable des âmes. salut à tous les viewers qui se pointent, ils sont pas nombreux. Notre voix est cool, donc j'espère qu'elle est en tout cas compréhensible, c'est ça le plus important. Waouh. C'est vraiment, Ah bah vraiment la très mienne pas important. trop. Alors par contre, La j'ai mienne intérêt à pas pas trop à avoir. mon avis. J'ai encore la Ouah. tête dans le cul. Hein. Ouah, ça va encore. On te comprend. Normalement. Bah toi tu me comprends, mais les gens du live, à mon avis, ça va pas être à jour. Ah, peut-être que je pourrais tenter le Return to Thunder maintenant que j'ai tous les. Ah merde. Désolé, le volume est légèrement trop fort. Oui, mais parce que moi je l'entends d'ici ton volume. Ah bon? Putain, la vache. Oui. Abusé. Ouais, t'as vu. Power 4, Punch 1, Flame 1, Breaking 3, parfait. Oh, hé, hey, ah oui, tu t'es fait un petit Oui, arc. parce que. Ouais, j'ai fusionné avec un autre arc cheaté que j'avais pris.
voyez, c'est bien la pêche. Des trucs sympas. Voilà, je baisse le son quand même une bonne fois pour putain, mais insupportable. On peut pas puncher les cool. Ok, bon bah parfait, merci, ça fait plaisir. Voilà. Des fois ça coupe, puis ça revient par environ 3 secondes ou 1. Ah oui. Ah et Witherboy, les youtubeurs quand ils ont pas énormément de public simultané, en tout cas sur un live, c'est normal que je réponde à tout le monde, je peux faire au moins cet effort, c'est le minimum du respect. Et désolé pour les coupures. Franchement. Je suis sincèrement désolé. Alors. Meuf le putain. La viande. Voilà. Et maintenant je vais partir à la recherche de Soul Sand. Déjà je vais prendre les coordonnées du portail. Flèche. 70 640, voilà. C'est des coordonnées approximatives, mais c'est largement suffisant. Alors, où est-ce qu'il y aurait de la Soul Sand pas trop loin? Il y a tellement d'os qu'on a plus rien à foutre. Est-ce qu'il y en a dans le coffre? Je suis vraiment pas sûr qu'on en ait de la Soul Sand, hein, pour le coup. Attends, bouge pas, je vais te dire ça. Alors, bloc. On a 7 sous le sang. Ah ouais? C'est pas énorme quand même. Ce serait pas bien. Ah, c'est toujours ça. On retrouve un petit toujours peu. Ça. Je les ai pris sur moi. Ouais, ça devrait suffire pour l'instant. J'ai pas trop envie de perdre 300 siècles dans le Nether. Je suis dans les cultures, je vais faire pousser le blé et tout ça. Faire un ami à 60 abonnés qui ne répond jamais. Après, non mais je parlais aux gens du live. Après, ah. Oui, ça dépend. Des fois, on est plus ou moins proche de sa communauté. Je casse ce portail une bonne fois pour toutes parce que assez insupportable de comment dire de spawn à 200 mètres de la maison à chaque fois. L'arbre est splendide, hein. Il est majestueux, il est magnifique. Et c'est un Joff, notre architecte national, qui a fait le petit appartement suspendu là-haut. Moi j'ai fait une petite cabane pas très loin, qui se voit pas d'ici. Et moi j'ai défié les lois de la gravité parce que je les enculé. Ouais. Voilà. Oh, les nuages ont changé. Qu'est-ce que les c'est nuages que ces ont nuages changé. Qu'est-ce que c'est que ces nuages? C'en est à la limite du dégueulasse là, je trouve. Je vais désactiver quand même parce que c'est un peu bizarre. Clouds off. Non, parce que désolé, ça empêche de bien voir. Donc ça, le manoir perché sur une brindille, c'est la maison de Spiritwatch que vous pouvez entendre qui est avec moi. Il y a la maison de Fanax en cobble là-haut. Qui est un membre de la team. Pierre taillé, s'il te plaît. Pierre taillé, s'il te plaît. En cobble. Puis bon, ma maison, je crois pas qu'on la voit d'ici, mais elle existe. Je n'ai pas de PS3, j'ai une Wii U, ceci dit. Et désolé pour les bugs. Je sais bien que ça bug. Mais j'y peux franchement rien. Alors, je vais me pointer par chez moi. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Alors, donc, production du coup, des vaches. Donc, du coup, dans les blocs, on doit avoir repopulation, mais en jeu. C'est la dirt, ça fait chier. Et la Soul Sand, elle est où? Je vais sur moi, bouge pas. Ah oui. Tiens. Merci. Ah. Attends, je vois comme Minecraft, il y a un écran noir. Moi je vois bien. Essayez de glisser un petit peu le curseur vers la droite. Il y a une wooden, il y a une pelle en bois FNC1 hein, qui vient de filmer. Je filme habituellement pour les vidéos, je filme avec Fraps et pour les streams, c'est un logiciel gratuit que j'utilise qui s'appelle OBS et qui est vraiment excellent et gratuit. C'est quand même vraiment cool d'en avoir des comme ça, c'est assez exceptionnel. OBS. Pour le stream. Et après, bon, un logiciel peut-être un petit peu compliqué à manier au début, mais il y a des tutoriels un petit peu partout. C'est bon, je pense qu'avec ce que je viens de faire, on va crouler sous le blé. Ah, mais il y a vraiment. On a tellement. Il y a même pas de 10 secondes de latence, c'est génial.
Il y a tellement d'os qu'on ne sait plus quoi en foutre, du coup je suis poussé à mort les deux. Oh. Écroulé sous le pain. Oh. Ah, problème de connexion. Voilà, c'est bon, ça a repris normalement. Là, ça stream, le débit est plutôt vraiment pas mal. Ah, oh! On commence à avoir des drops un petit peu, des gros drops. J'espère que ça se passe pas trop mal au niveau du live. Je crois que ce sera un peu quoi. Ah oui, 40 aussi. Si j'ai envie de fusionner les deux stacks, espèce d'abruti! Bon. Dingue, avec une pioche en diam d'efficiency 2 à Netherrack, c'est comme le bois avec la tronçonneuse. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, retin, Jaff. Waouh! Le mec carré comme ça en mode surprise, en tout cas. C'était le but. Hop, voilà, donc j'ai fait une salle en Netherrack, rien de bien fou. Rien de. Je vais l'améliorer parce que je vais faire la salle, je vais faire une putain de salle, moi. Une putain de salle. Non, mais c'est à nous de faire la putain de salle, tu fais chier à la fin! Ouais. Et c'est moi qui ai fait la meilleure maison dans l'arbre. Mais je m'en fous, tu nous laisses jouer à la fin. Ouais, laissons faire un petit peu de truc. Enfin, moi je m'en fous, non. Mais si vous voulez, je vous laisse votre salle et j'en fais une deuxième. Hein. Une ouais, salle... La salle aussi. Nether, c'est moi qui l'a fait, point barre. Ok. Tu oses défier le chef, t'en joffre. Ouais. Et bah t'es qu'un petit FDP, voilà. Non, c'est pas sérieux, hein. On rigole, surtout. Et salut, salut Isaac. Je parle pas du boss. Je parle pas du boss final du binding, mais. Bah, c'est le boss final et c'est aussi le personnage principal. Hein. Oui. D'ailleurs, j'ai eu une run craquée à l'instant avant de recommencer, avant de jouer ce matin à Minecraft. J'ai réussi à avoir une run complètement pétée sur le Nigger Isaac. Oui, bon, bref. Ok, il y a quelqu'un qui a essayé de remonter par là. Et à l'arrache. Et on a Emric qui était là au live d'hier, il me semble bien, qui est de retour aujourd'hui. C'est un fidèle au moins. Fidèle à son poste. Exactement. Pour rappel, si jamais vous voulez venir sur la série, ne serait-ce que le temps d'un live, vous en avez la possibilité. Il suffit d'avoir Donnez-nous Skype. Juste votre Skype, si vous l'avez, et votre pseudo Minecraft Premium. Ouais. On précise bien Premium, hein. Ouais, ah, et ne pas et quand on donnera l'adresse, ne pas la divulguer. Voilà, c'est important. C'est comme façon, vous voulez, si après vous le faites, vous reviendrez plus, tout simplement. Ouais, si vous le faites, vous serez banni. On installera une whitelist. Et franchement, on n'aimerait pas en arriver jusque là. On vous fait confiance. Ouais. Bon, je me fais agresser. Je trouve toujours pas de passage vers les grottes les plus profondes. Là, il y a 36 milliards de mobs, donc je vais pas pouvoir m'arrêter. Je veux bien fight les mobs, mais là il y en a un peu trop. Donc n'oubliez pas les conditions pour venir. Un micro de manière à ce qu'on puisse bien entendre votre voix quand même. Et un compte Minecraft Premium et un Skype. Voilà. Voilà, voilà. Ok, j'ai fait. Quoi? Mais. Et débarrasser faisait pas partie. Oh, je suis le frère de Tinjoff et je gueule sur tout pour tenir tout le temps. Bref. Ouais, juste pour avoir l'ordi, le précieux, oui. Alors bref. Potion, nourriture, culture, c'est pas là. Potion non plus. Nazario pour potion, ça doit être là-dedans. Voilà, je vais planter la Netherwart. Du moins, une partie. Parce que... Voilà, on a 38 pains, c'est bon. Putain, je suis full, mais full de chez full. Bon, moi ça va. D'ailleurs, je vais commencer à bouffer, hein. Plus que 2 gigos, ça commence à être la dèche. Alors Isaac, au niveau du lag, je vais pas arrêter de le répéter, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien et c'est plus ou moins de notre faute en fait. De ma connexion pour être plus précis. Et franchement désolé pour ça, mais on n'y peut rien. Écoute, bon, il est dans un bled paumé sans fibre, que veux-tu qu'il fasse? Après j'ai eu une amélioration de connexion il y a pas trop longtemps, les lives seraient juste impossibles si j'avais pas eu. Donc... Voilà, ça on a ça dans un coin.
On avait essayé une fois en plus avant la. Ouais, on a essayé, oui, il me ça n'a semble juste avant pas tourner. marché. Ouais. Voilà, je viens d'enterrer du stuff. Bon. D'accord. Je vais faire cuire un petit peu de stone bricks, un stack de. Je vais faire un petit stack de stone bricks pour un petit peu décorer la salle. Bon, évidemment, je vais taguer à stone brick ensuite. Je vais pas juste faire des gros blocs moches. Je vais essayer de faire quelque chose de joli avec des escaliers et tout. Le live durera un temps, bon bah plus ou moins déterminé en fait, jusqu'à ce qu'on se lasse. En fait. Voilà, tout simplement. Donc il y aura peut-être une pause vers 1 heure, donc dans une vingtaine de minutes. Ce sera pas trop grave, hein. Ouais, une pause d'une vingtaine de minutes dans 20 minutes. Putain. Donc le live reprendra dans 40 minutes. Et commencera sa pause dans 20 minutes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bref. Du coup, je vais crafter le fameux alambic. Le premier qui me fait des potions de vitesse, il pourra venir et je pourrai lui rappeler qu'il y a un bouton pour se donner de la vitesse. Oui, mais Autant me ce faire bouton plaisir. est suicidaire. Pourquoi? Si tu veux monter à l'arbre après, c'est suicidaire. Ah D'accord, ouais, maintenant il y a les complètement, je échelles. suis désolé. Ah non, c'est Glass Bottle? Glass Des Bottle. bouteilles de glace? Des bouteilles de glace? What What? the fuck? Et en plus, c'est l'ID in-game, c'est Glass Bottle aussi, quoi. What the fucking fuck, j'ai pas compris. Y a un truc qui m'échappe. Je sais pas, j'avais pas compris là. Non plus, je donne ma langue au chat. Ah ouais, après, glace, c'est pas la glace, c'est juste des bouteilles vides, hein, en fait, concrètement. Mais je savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Des bouteilles vides. La vache. On en apprend tous les jours. Mais surtout que leur texture avec mon pack que je connais pas trop. C'est chelou. Moi, Bon. c'est espèce de gros verre de bière. Moi, je cherche du diamant, mais j'en trouve pas. Je trouve de tout sauf du diamant. Et d'ailleurs, Où est-ce que j'en Looting étais? 2, c'est efficace, hein. Où est-ce que j'en étais? Je sais même plus où j'en étais. J'en étais où? J'en étais où? Non, mais tout ce que tu sais, c'est que si j'ai accès à cet alambic, je crafte très probablement des potions de poison. Voilà. Slash ban, t'es un Eh, geoff. Non mais t'as pas le droit. Hein. Qu'on soit clair, si fais jamais je te pas le con. surprends à faire ça, je t'interdis de toucher à l'alambic. Et alors, si je les cache jusqu'à la fin des MVO. Mais je te les clearerai en Eh ben, on me banne. constance, mec. Je ferai une machine pour te clear toutes les potions. Que je cacherai Tu vas loin. bien. Si bien que même moi je ne pourrais plus Attention, la je vais dans le retrouver. Nether. Je vais dans Oui. le Nether. C'est LB. Pour que Oui. ça le clear constante, il faut que ça soit dans un chunk chargé continuellement. Oui. Donc forcément, soit dans le world spawn, soit dans un des spawn points. Donc tu peux Non, seulement dans le world difficilement. spawn, pas l'un des Bah spawn oui, points. seulement dans le world spawn. Donc, sachant qu'il se trouve au niveau de l'arbre, celui-ci. Il se trouve pas loin de l'arbre. Oui, au niveau, j'ai dit, j'ai pas dit dans l'arbre. Parce que tu respawns quand même deux fois dessus, hein, ce qui est assez chiant quand ça arrive. Bah si tu Maintenant, dormais, on a t'aurais pas ce tous notre problème. lit. Oui, bah maintenant on a Ah oui. tous notre lit, mais avant. Alors moi qui filme, j'ai 13 ans, voilà. Bon. Combien de FPS actuellement? J'en ai une trentaine. Bon, voilà. Ah, et Et moi. oui, désolé, je réponds pas trop aux Moi j'ai questions, mais c'est parce que je 16. peux pas voir le chat en constance, en fait. J'ai pas un double écran, donc je dois me J'en ai débrouiller. 16 et Spirit Wolf, si je me trompe pas, 14. 15. 15, 15. merde. J'ai niveau 15 en mars, merci. Ah oui. Ouais, j'ai oublié, hein, je savais plus ta date de naissance, désolé. RT si t'es triste. Vais m'étouffer. J'aime bien ces Alors blocs. j'aimerais bien trouver du vert en Ensuite. fait, du vert teinté rouge ou orange. Pourquoi? Mais je sais pas si c'est Pourquoi? facile. Je vais faire un don de 5 émeraudes pour ça, on va dire, parce que sinon ça va être un peu chiant Et à faire. normalement, il faut juste des Bah fleurs. attends, je crois que j'ai des teintures chez moi. Après, tu te Alors, démerdes. il y a un léger décalage, Bon. un décalage pas trop incroyable encore, une quinzaine de secondes seulement, donc ça va. Ça pourrait être pire. Bon, au niveau du lag, par contre, oui, là, ça ne pourrait peut-être même pas être pire. Bon, on s'excuse, hein, on fait ce qu'on peut.
Est-ce que j'ai des émeraudes sur moi? Même pas, putain. Bon, je vais faire un don de 10 émeraudes pour pouvoir me giver 5 émeraudes. Ah bah tiens. Ça devient En débile. faisant quoi Mais pour ceux skin? qui ne connaissent pas la série, en fait, quand on a vu que la map est customisée, on n'a pas toutes les ressources. Hein. On a la majorité, mais pas toutes. Pour ceux qui sont trop pénibles à obtenir ou quand il faut faire une Ouais, si, téléportation il y a toutes d'urgence les ou quelque ressources, chose mais comme elles sont ça. parfois dispersées aux quatre coins de la map. Et la map fait du 6000 par Ouais. 6000. Donc du coup, on On utilise évite de des passer émeraudes 50. pour qu'on trouve dans les grottes pour justement éviter ce problème-là. Parce que sinon, ils nous servent absolument à rien. Donc, Mais d'un ouais. autre côté, c'est avec les émeraudes qu'on peut deviner très vite que la map est custom. Si tu leur montres le coffre, ils vont vite comprendre. Ouais, je viens de le montrer Oui. furtivement, mais oui, on a pas mal d'émeraudes. Et bon, on essaye de pas trop perdre C'est les le ressources importantes. P de Soul Sand ou pas? C'est ce Et les bloodlight sous grottes le comme temps. ça serait cool, par contre, les grottes comme ça dans Minecraft Mania. Hein? Et je crois Ouais. que c'est Si possible en bien que plus. quand on a fait un live minage hier, tout le monde croyait que c'était un Fallen Kingdom. Oui, Ce que je comprends parfaitement. Même si ce oui n'était pas le les cas. grottes sont légèrement immenses, mais un peu plus petites quand même. Enfin, Kingdom, elles sont encore plus imposantes, les Ah, grottes. merci pour l'abonnement. Sachez que niveau qualité visuelle et au niveau du lag, forcément, c'est beaucoup, beaucoup plus. C'est beaucoup mieux Fluide. sur les vidéos. Les vidéos sont bien mieux présentées et tout. Niveau live, on est juste vraiment des amateurs. Ben, notamment les vidéos pour la simple et bonne raison que quand tu tournes une vidéo, t'as pas besoin d'internet pour la tourner. Ouais. Bon, Tout le fait. savoir, c'est. Mais Que là, est-ce que vous avez des sauts il de est sur un lave? serveur. J'ai Non. un seau d'eau, mais j'ai de quoi crafter J'ai un seau de lave. un seau et de la lave tout autour de moi, donc après. Ouais, ce serait bien. Est-ce que tu pourrais te crafter un deuxième seau et me ramener de la lave? Ouais, bah attends, attends, je vais te Le mieux, ramener ce le seau que serait. j'ai. L'idéal, ce serait vraiment 3 seaux de lave, mais bon. Ok, Comme ben tu bah veux, je voilà. peux, j'ai largement assez de fer, j'en ai 12. Ok, tu me ramènes ça rapidement et puis moi je vais me donner la. Donc là, vu que j'ai fait un don Je d'émeraude, je suis peux me giver quelques items et rien de bien compromettant pour la partie, c'est juste du stain et de glace. Mais ouais. Oh, orange, oh, du premier coup, oh, génial. Du premier coup, alors pour vous dire, dans le dernier live, il me semble que c'était hein, que j'ai fait ça. CLB avait cassé un verre blanc, une stained glass blanche de ma base. Du coup, comme ça me faisait chier d'aller refaire fondre du sable, j'ai décidé de m'en giver une. C'est au bout du 15e essai que j'ai réussi à l'avoir. Là, c'est du Je premier coup. rageais un peu. Et d'ailleurs, je vais Putain, miner un peu de. Je vais miner un peu d'obsidienne à moi pour me faire ma propre table d'enchant. Le mec en a plus rien à foutre tellement ils ont trop de ressources. oh là là, mais mec, là, c'est peut-être un petit peu abusé au bout d'un moment. Ouais, allez. Je prends qu'un obsidienne que je poserai au pif quelque part dans une base de quelqu'un d'autre. Rigolé, j'ai un seau Ah d'eau, tiens, un là, je seau vais de lave faire. sur moi. Ah, Je quelle pourrais pas en rapproche. avoir d'autres parce que j'ai pas de fer sur MDR, moi moi. j'ai essayé d'avoir le duel contre le ghast tout à l'heure. J'ai essayé à chaque fois que j'ai fait une expédition dans le Nether, j'ai essayé au moins une fois. J'ai jamais réussi. Moi perso, je Au m'en moins fous. une fois. J'ai jamais réussi de toute façon sur. Si, dans l'achievement défi. Ouais. À propos de l'Achievement Défi, je pense que les lives ça va être l'occasion de nominer des gens pour Achievement Défi. Ceci dit, vu qu'il y a eu que D'ailleurs, deux ça me donne envie de la participations. refaire cette map. À chaque fois qu'on en parle, ça me donne envie de la refaire juste pour le gra pour la. La beauté de la chose. De la refaire, Ouais. quel sens de En refaire? gros, de refaire les salles pour qu'elles soient plus jolies. Mais bon, je sais que tu as donné beaucoup de travail, donc je vais pas le faire. Moi, je les ai trouvés très bien pour ça. Elle est très bien la map. Je l'ai toujours pas faite, mais elle est très bien. J'ai vu toutes les vidéos dessus, c'est-à-dire deux ou Ouais, trois, je sais plus deux. le Deux. problème c'est que quand on essaye de faire un truc dans la veine du Lucky Défi, s'il n'y a pas grand monde pour faire le défi, bon. Parce qu'en fait, tous les gens qu'on a nominés, soit n'en avaient rien à foutre, Soit nous connaissait n'est-ce tout pas simplement pas. Displice, soit n'ont pas eu l'occasion de le faire, et puis quand ils ont eu l'occasion, n'en avaient plus rien à foutre, n'est-ce pas Proplice, et les autres n'ont pas répondu à nos sollicitations. Bon. C'est vrai que Adrien, sur moi sauter Internet, là. vous pouvez trouver la vidéo, elle a un peu plus d'une centaine de vues, donc vous devriez pas avoir trop de difficultés à la trouver sur la chaîne. Bon d'ailleurs, la machine à poulet, tu peux aller la revoir pour voir à quel niveau elle en est? Non, j'ai pas que ça à faire, lol. Parce que là, j'ai plus qu'un stack de poulet dans mon inventaire. Je commence à en manquer. Oh, Je c'est suis en triste. manque, gros. Oh Et va putain. chercher toi-même quand tu m'auras ramené tes Mais je suis dans seaux. les grottes, merde.
Bah écoute, démerde-toi. Alors, Yeah, j'ai un guest qu'est-ce qu'il me fallait déjà qui d'autre? Ah oui, c'est vrai, un petit peu plus de netherbrick. Bon, il va falloir trouver un moyen aussi de se faire des J'ai levels plus 19 soutiens facilement parce grand que là plus les si tu minerais commencent à manquer. Hein. Les minerais commencent à manquer. Oui, C'est les relatif. minerais qui donnent de l'XP. Ah. Et les mobs, c'est chiant à farmer. Et dangereux dans certains cas, surtout si tu vas les fermer dans les grottes. Ça Ouais, devient ça peut être... très vite Oh dangereux. merde. Comment dire? Heureusement que j'ai pas déjà posé la lave. Je Bon, serais j'avais bien fait inclus. 4 sauts de lave, mais j'en ai perdu un comme un con. Moi j'en ai un, t'inquiète. Voilà. J'essaie de rentrer. C'était l'inondation du jour. Qu'est-ce que t'as inondé encore, CLV? Ma À propre sa propre salle, ça peut salle. pas te concerner. Ah, ouf. J'ai eu peur que c'était l'arbre. Il a été inondé combien de fois d'ailleurs, l'arbre? Un nombre Zéro, je bien crois. trop excessif de fois. Bon. À savoir un ou deux. Mais c'est beaucoup trop déjà, c'est un ou deux de trop. Alors je reconsulte le chat, ça fait un petit moment. The live est cool, mais je dois y aller. Bon, c'est triste. C'est rien, RT c'est pas cité grave. triste. RT cité triste. Bon. En espérant que Un ça lui live ait... de farming En cool, par espérant que contre, ça c'est lui... rare quand même, hein. Ouais. Faut le dire. Mais c'est pas un live de farming, là, c'est un live de construction. Enfin, plus ou moins. Oui, Non, bon. cet après-midi. Pour moi, si je suis De farming, j'ai construction et entendu. farming. Parce que d'un autre Donc côté, les autres, c'est ils farment. 460. Monde autour de Coucou à toi tous ceux farm, qui passent celle-là. sur le live, hein, surtout. Hein, je prends pas toujours le temps de les citer, mais j'essaye de rester un petit peu sur le chat de temps en temps. Bon, là, j'attends uniquement le saut de lave du Tinjov. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter à la salle. De la glowstone. De la glowstone. D'ailleurs, je vais faire un générateur de stone, ça pourra toujours nous être utile. Ouais, aussi. Faut juste que je récupère deux fers de plus. T'es vraiment le seul à faire des trucs dans cette série ou c'est moi? Ben non, Ouais, toi je tu fais la pense que salle ça. du Nether et vous avez fait chacun votre maison. On n'a pas de la Non. glowstone quelque part, hein. Peut-être un peu dans les coffres Nether, dans le coffre Nether. Y a pas de coffre Nether. Il bouge pas, Il n'y a pas tiens beaucoup. et... Un saut de Ah! lave. Tiens, j'ai déjà un saut de lave. Donc si Tinjov veut me donner du saut de lave, il faut qu'il se mine le train. Parce que peut-être que Ça j'en va aurai vite. vite un Est-ce que tu nouveau. viens de larguer une de 18 obsidiennes en plein milieu de la salle de coffre? Si tu pouvais arranger au moins dans le coffre bloc. C'est pas que c'est chiant de miner de l'obsidienne, mais c'est chiant de miner de l'obsidienne. Je les ai mis dans le coffre Le bloc, type, c'est bon. tu es cohérent toi. Sinon, le coffre qui concerne le Nether, il est où? Pas loin de des autres coffres. Logique. Glowstone, potion. Ouais, bah t'as la netherrack dans le La coffre bloc du netherrack, bas. il faudra la déplacer du coup, oui. Ouais, Mais Parce que pour il n'y a l'instant, elle pas est de dans le coffre coffre. Nether ici, hein, je suis désolé, mais. Ah non, c'est vrai qu'on le met dans. Non, non, je l'ai mis dans minerai du coup, la glowstone. Oh mon dieu, quelle La quantité netherrack, on l'a mis d'incroyable. Il y où? a une dust, mec. Ouais, La mais balle. désolé, mais je savais pas à quel point c'en était. Bah, si tu veux, on peut Direction y aller. expédition dans le Nether. La J'en netherrack, pense rien. ça se met où par contre? La netherrack, tu la laisses dans le coffre bloc du coup, frère. C'est quoi ce titre? Bon, par contre, juste une chose, je remonte comment? C'est quoi ce Ah, titre? très Bah c'est bonne parce que Minecraft question. vous est offert, c'est le nom de la série pour laquelle on joue là. Comment tu C'est fais la pour mettre le quatrième chat sur saison, Minecraft? au passage, hein, C'est c'est la quatrième saison. là en l'occurrence le chat de Minecraft c'est exclusivement sur la version PC je crois. Oui. Juste une chose, CLB, tu peux sacrifier quelques émeraudes en plus pour me TP. Te Parce que TP là, où? sinon, je te TP à toi, parce que sinon, je suis pas prêt de revenir, hein. Mais c'est que j'ai autre chose à faire. Bref. Oui, il est dans Oui, le mais si Nether, tu veux tes alors sauts de lave. je suis dans le Nether là actuellement, je suis en expédition donc. Bah, si tu veux, je crafte un Attends, c'est portail quoi? du Nether, hein. Je crée un Attends, portail du attends. Bon, Nether. écoute, je rentre, je te TP, je sacrifie des émeraudes. Je te C'est donne quoi les sauts de lave. ce timelapse de l'enfer où je construis même pas un demi-quart du temps? Oh. Je vais C'est un te téléporter et timelapse sacrifier des émeraudes d'enfer. ensuite, slash TP. Tinjoff. CLB. J'ai 6 diamants au passage. Ah, pas mal. Ça peut servir. Allez, Donc je vais en direction. utiliser 4 pour faire mes Ouais, je bottes. voulais réparer mon épée. Mais... Alors, le chat. Moi, je Je suis veux des sur bottes PC, TP. oui. Donc, ah oui, apparemment sur MCPE, peut-être qu'il y a un chat. Depuis pas très longtemps, je suis pas trop MCPE, donc. Pocket Edition, ouais, peut-être qu'il y a un chat. Il me semble pas comme ça, mais peut-être. Bah, apparemment, si. Sur Android, apparemment, il y a un chat, donc. Android, c'est MCPE. Donc, voilà. Oui. Donc, je sacrifie combien d'émeraudes pour ça? 5? Comme tu veux.
J'en ai littéralement rien à foutre, tant que tu le fais. Voilà, donc on perd des émeraudes à Alors, chaque fois qu'on perd un shit. Voilà ce qui t'appartient. Comme ça, ça permet de pas trop non, prendre alors, la tête pour les trucs un peu je, chiants. Moi, je m'appelle Spirit Wolf, mais tu quand vois. Même, Ah oui, tiens, j'ai pas vu le pseudo. Bah, tu donneras tout ça à CLB. Ouais. Moi, je m'appelle Spirit Wolf. Alors. Tiens, deux sauts de lave. Fais gaffe au pseudo. Merci. Tu es en train de me prendre en boucle, là. Et moi, je suis full, donc... Tu n'aimes pas à tes pieds, Boros. Vite-toi, j'ai pas vite-toi. Hein? Tiens, je vais bah vide-toi. Ah bah ok, je me vide. Bon, je me vide de quoi? Unbreaking 1, Osef, Netherbrick, Osef, Cobble, Cobble, Cobble. J'ai ouais. Voilà, je suis prêt. Et un petit saut en plus. Deux suisses. Mais bon. Ah, je sais pas si c'est toujours qui me fait ça. Oh là là. Pourquoi je relance mon jeu moi? Oh là là. Je glitch dans. Dans bon, par contre, le saut de lave, je mets dans quel coffre? Je mets dans quel coffre? Autre, non? Le saut de lave, oh, tu le mets où tu veux, ça peut toujours servir. Autre, voyons, je alors, mets dans là, autre. Tu vois, du coup, là, j'ai de la lave en face de moi. J'ai beaucoup trop de stuff. Qu'est-ce que je fais, à ton avis? Tu boules tout. Voilà, il a trouvé l'astuce ultime là. Deux fours, un peu trop de bois, de la viande que je ne ferai probablement jamais cuire, deux briques. Bon, voilà. Et attention, maintenant, voici le summum de la décoration du CLB. D'ailleurs, dans le Nether, je vais faire petit, je vais voir pour faire un cuiseur auto. Un cuiseur. Moi, je dirais mettre un petit peu de quartz par-ci par-là, ça pourrait rendre la salle un peu plus. Par contre, pour le plafond, je sais pas trop ce que je peux faire vu que c'est le sol de la salle au-dessus. Donc. Mais t'aurais dû descendre un bloc bas. Plus bas, ouais. Mais... Deux ouais, blocs plus bas à ta place, je sais descendre. Ce qui est fait n'est plus à faire. De toute façon, je ferai ma propre salle du Nether pour moi. Mais l'esprit collectif, mec, la MC4 Team avec un T-E-A-M, ça te dit quelque chose, ça? Hein, t'es un joueur, mais hein je la fais. Non, mais cette salle-là, je la ferai pour moi ailleurs que dans l'arbre. Celle-là, je vous la laisse. Non mais mec, tu fais partie de la MC4, ça c'est l'arbre de la MC4, tu te sers de cette salle, c'est un ordre. Tu veux pas que j'y touche à cette salle? Faudrait savoir. Je fais que des lives sur PC. Parce que j'ai une Wii U, je pourrais m'en servir, mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ah oui, la Wii U c'est très compliqué. Même moi j'ai déjà pensé à essayer, mais quand j'ai vu ce qu'il fallait, Déjà il faut brancher tout par câble, il faut un boîtier d'acquisition qui coûte super cher. Après tu peux essayer de connecter ta Wii U à ton PC, dans ces conditions c'est plus facile si tu y arrives. Ouais, mais je sais pas faire ça, je suis pas informatique. Moi non plus je sais pas, c'est possible, c'est tout ce que je peux dire. Comment? Je ne peux pas le dire, vu que je ne sais pas. Je dois laisser le portail allumé ou c'est bon? Tu peux l'éteindre, j'y suis pas. Pareil. Attends, je fallait dire tu peux éteindre parce qu'on n'y est pas. Tu n'es pas tout seul. Bref. Ouais, non mais c'est LB. Je sais que Spirit Wolf n'y est pas. Toi, si tu dis que tu peux l'éteindre, c'est que tu n'y es pas. Donc la seule personne qui pouvait y être et que vous pouvez pas savoir, c'était moi. Bon, je vais éviter de faire flamber le bois quand même au-dessus. Oui, évite. Ouais. J'ai pas envie que ce bel arbre brûle. Oh, putain, même s'il y a pas le fire tick, on sait jamais. Ah oui, il y a pas le fire tick. Mais on sait jamais. Non, là, je fais hyper merde, gaffe parce que chez moi, c'est pas vraiment aménagé pour monter chez moi. C'est galère. Surtout que je suis obligé de passer par le bord. Voilà, la salle me semble finie. Elle est plutôt classe. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter d'autre? Je vais rien dire. Bah, comme je te l'ai dit, moi j'aurais rajouté un peu de quartz par-ci par-là pour rendre la salle un peu plus lumineuse. Ouais, mais je sais pas trop comment amener cette touche. Parce que dans MVO2, j'ai fait deux salles. Oh, ce qui serait bien et pas con, franchement, ce serait de foutre des slabs de quartz au plafond pour régler le problème du un bloc d'oublié. Voilà. Hop. Monsieur. Et l'autre élève, quel âge? Ça dépend si on parle de Spirit Wolf et Tinjoff, et ils l'ont dit tout si à l'heure. Si c'est Spirit Wolf, 15, si c'est moi, 16. Voilà. Voilà. Désolé pour le retard. Moi j'ai pas de problème. C'est mon chez moi.
Oui, mais j'ai pas de problème pour monter, moi, parce que. Bah écoute, hein, oui, bah toi, t'as l'habitude de monter à cette heure. Bref. Bref. Non, je suis quasiment jamais monté à cette branche, donc. Est-ce qu'il y a suffisamment de quartz dans les coffres? Oh, bah, à mon avis, il y a deux stacks, là, il me semble. Un truc comme ça. Alors, dans le coffre red. Non, ça, c'est le coffre minerai. Donc, c'est cohérent. Combien il faut de slab? On va dire beaucoup. D'ailleurs, je vois qu'il y a un deuxième abonné qui a été invité quand je suis parti hier. Dans le scoreboard. Donc là, ouais, le scoreboard va devenir énorme parce qu'il n'y a pas que la team qui participe à cette série. Pourtant, les abonnés. Faire, c'est la série phare de la team, mais j'aime bien inviter des abonnés. Et celui pour l'instant qui a fait le plus de vidéos avec nous, c'est Watershock. Ouais, Watershock est venu dans 3-4 vidéos. Cependant, il n'est pas encore dans la team. Je ne sais pas si je pourrais lui associer le niveau de maturité nécessaire pour le laisser rentrer dans la team. C'est un peu compliqué. Ouais. Parce que beat partout, voilà quoi. Oui. Ce stream est tout public normalement. Hein. Normalement. Normalement, mais bon. Entre la normalité et nous, il y a une différence. Voilà. Oui. Je suis full P2. Bien joué. Avec des bots, tu t'amortis 3 et solidité 2. Bon, écoute, Tinjoff, tu sais ce que tu vas faire? C'est que tu vas arrêter d'être le meilleur parce que ça commence à me saouler. Bon. Hey, j'y peux rien, j'ai eu de la chance sur les enchantes. Ça commence à m'énerver, franchement. J'avais des enchantes P2, d'ailleurs je vais retirer toutes les torches des bibliothèques là. Ah bah j'avais encore du quartz, je suis con. Il me manque plus qu'une chose, une Fire Aspect. Et pour l'instant il n'y a que Ben 13 qui a réussi. Oh. Ah, Ben 13 aussi m'énerve des fois avec ça. Ouais, moi j'ai des meilleurs enchantes, Bon. Hop, je vais essayer. Je viens de brûler une torche. Bravo. Je viens de brûler une flamme, chercher l'erreur. Voilà, c'est un peu ce principe. CLB ? Ouais. T'es où ? Je fais un plateau en quartz. Ah, bon, Spirit Wolf, tu as combien de levels ? Légèrement bas de plafond, mais bon. 7. Regarde si tu as du Fire Aspect. Tu mets pas le... Tu regardes juste si tu l'as. Ce serait vraiment bien. Attends, j'ai pas de... Non, mais sans la piste. Regarde, tu peux voir les enchantes qu'il te propose quand même. Bon, plafond, ce serait cool. Bon, bah voilà, là, je peux essayer mes timelapse comme terminé. Voilà, j'ai stoppé mon petit récord. Non, tu peux me rendre. Voilà. Le serveur, c'est un serveur privé. Hein. Après, oui, privé. Après, si vous avez un bon micro, un Skype, un niveau de maturité suffisante quand même, essayez d'avoir minimum 12 ans quand même pour venir. Et si vous avez un compte Minecraft Premium, vous pouvez, je peux vous inviter si vous le voulez. Et là, je pense que le live sera bientôt en pause. Peut-être pas maintenant, mais bientôt. Voilà, juste parce que je me faisais chier, j'ai posé 3 torches. Pas mal. Waouh. Ça aide. Qu'est-ce que tu penses de cette salle, globalement ? Simpliste, mais sympa. Voilà. Je t'emmerde. Bref. J'ai dit sympa quand même, mais oui. Simpliste. Mais simpliste, attends, t'as vu le niveau de détail que j'ai mis? J'ai pas l'habitude de mettre autant de détails, moi. T'as pas l'habitude, oui, mais ça reste simpliste. Non, genre, je sais que t'es un architecte talentueux, je sais que tu es l'un des gros points forts de la team, cependant, si tu vas arrêter d'être quelqu'un d'objectif et qui donne des avis constructifs, que j'en pense. Et tu vas me lécher les bottes dès maintenant, s'il te plaît. Bon. Non, là, tu me demandes de te tuer, quoi. Ah non, mais... je te laisserai jamais les bottes. Ah, d'accord. Bref, c'est débile. Passons. Je le pense pas vraiment, c'est juste pour le lulz, quoi. Alors. Et salut, mes Dolphins. Même si je l'avoue, de temps en temps, je me fous un peu de leur gueule. Putain, non, de ce fait. Tiens. Oh, tiens. Ils enchantent. Je vais regarder sans faire exprès. Ctrl S. Voilà. Quelqu'un a des os sur lui? Où je dois aller les chercher. Ce message est bien trop bizarre pour que je le laisse. Voilà. C'est quoi le message? J'ai supprimé un truc bizarre. Je veux me marier avec CP. Non. J'ai 12 ans. What? Alors, si ça devait arriver, je sais pas trop comment je prendrais. Ce serait bizarre. Ce serait vraiment bizarre. Tu dirais what the fuck. Chien. D'après moi, c'est comme ça que tu réagirais. What the fuck. Personne doit avoir un problème. Ouais, enfin, mais... J'ai 3 ans et je veux me marier avec Selby. What the fuck. Non. Bref. On va éviter que ça dégénère. Alors... Et,
Hop là. C'était génial. Ça fait combien de temps qu'on stream là facilement une. Oh là 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 là. Oh, ouais, ça doit faire. Minutes. Ça fait une. Mais t'as juste dans le loot de mob, t'as un stack d'os. Si oui, veux. Je sais, mais c'était au cas où si quelqu'un en avait déjà, ça aurait été plus rapide. Ouais, non, désolé. Alors. Ah, et les arcs, quand ils sont en loot de mob, on les met dans armes, parce que ça reste des armes. Ok. Loot de mob ou pas. Ouais. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir fait. Je me demande, est-ce que ce serait pas bien de prendre le deuxième donjon maintenant? Ça pourrait être intéressant. Et on pourrait utiliser nos modes de véhicule, du coup. Essayer d'expérimenter un petit peu nos modes de véhicule. Parce que de toute façon, les plateformes, ça pourrait. Mais on est obligé de passer en créatif pour l'activer de toute façon. Et pour placer les trucs. Le mode véhicule ou je quoi, what the... Parce que moi, SLB, un peu plus tôt ce matin. Voilà. Mm-hmm. On a j'ai regardé Minecraft et France. Non mais moi je suis abonné à UGM Minecraft donc je reçois ces nomades. Moi aussi je savais ce mode est sorti depuis un certain temps quand même, hein, j'ai envie de dire ce nomade. Ça fait un petit temps qu'il est là. Mais en gros il a fait un nomade véhicule, il a été présenté sur Minecraft France et le voir sur Minecraft France, ça m'a donné l'idée de l'utiliser sur MVO parce qu'on a quelques problèmes de déplacement. Ouais. Après d'un côté l'aspect exploration, il faut que ce soit... Comment on répare une canne à pêche ? Et qu'on voit du pays, tout ça. D'un côté, je me demande si ce serait pas plus intéressant qu'on reste à pied ou à cheval. Non, mais par exemple, pour aller au moins sur le continent, faire un chemin en tout cas. Parce que le continent, c'est chiant d'y aller. Je suis pas de cet avis, moi. On peut plus y aller, on peut pas y aller à cheval le continent. Hein, on peut y aller à pied. Ceci dit, tu prends le speed, tu vas à pied, c'est pas compliqué. Hein. Oui. C'est une mer presque. C'est une mer à deux tiers gelée quand même. Du coup. T'as juste quelques jumps à faire de temps en temps, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, prendre une graine et nourrir les vaches. C'est avec du blé qu'on nourrit les vaches. Hein. Oui, mais j'ai besoin d'une graine pour replanter parce qu'il y en a une qui s'est pas plantée. D'accord. Qui a pas voulu me looter en fait. Oh, un méchant type. Tu es décédé. Un méchant tipi. Slash ban Tinjoff. Voilà. Ça c'est fait. Grosse ambiance dans la MC4. Ça serait vraiment bien qu'on aille dès l'épisode 16 ou 17. Cette 16. On commence Allez, à se déplacer pour prendre les nouveaux donjons. Manger, faites des bébés. Ça vous intéresse qu'on fasse ça dès maintenant, partiellement en live? Ouais, sans doute. Peut-être entièrement. Peut-être même entièrement, ouais. Qui sait? Vous venez découvrir... J'aurais voulu réparer mon stuff, mais bon, on a plus de fer. Les donjons de MC4 Team. Attendez. Je vais me prendre un peu... Je me vois contraint de mettre le live en pause, donc le live risque de reprendre dans une vingtaine de minutes à peu près. Après cette vingtaine de minutes, peut-être légèrement plus, mais pas trop, on commencera à se déplacer et à tourner un épisode 16 de cette série, justement, pour venir conquérir les donjons qui suivent. Donc, je vous dis à bientôt. T'es sûr que tu dois le mettre en pause? On peut pas rester à discuter, nous, sur le live? Ce que vous faites, c'est que vous restez à discuter. Je laisse le son comme ça, mais je laisse l'écran de pause. Ouais. Tiens, Watershock peut vous rejoindre si vous voulez. Donc voilà. Oui. Allez, je vous laisse. À bientôt. Bon, il faut de la bouffe à mon avis si je pars en donjon. Écoute, avec Spirit Wolf. Alors, je vais voir si je peux avoir le live en direct, parce que si je peux l'avoir en direct, ce que je vais faire, je vais demander au chat s'ils veulent que je refasse la salle du Nether. Le temps que CLB soit absent. J'ai largement le temps. Donc je vais leur demander. Oh d'accord, il y a une araignée qui vient de passer juste derrière mon écran. Je sais que je déteste les araignées. Tant que t'es pas arachnophobe, t'es peut-être pas loin, mais tu l'es pas. Ouais, oui, je le suis pas, mais je suis pas loin. Ah, Minecraft vous est ouvert, live session 2. Tu peux m'ajouter à la conférence. Ouais. Ah. Non, parce que j'ai 12 poulets et qui sont bon, ça va. Take. J'essaye d'ajouter Watershock. On n'a pas dû faire quelque part, par contre.
Non, si peut-être dans les coffres, mais on commence à en manquer. Attends, j'en ai peut-être chez moi. Ah oui, si, j'en ai chez moi en fait. J'ai 2 stacks et 13 chez moi. Donc, Watershock a un problème pour l'instant. Nous faisons ce que nous pouvons pour régler ce problème et Oui. ça risque d'être difficile. Voilà. Hop. Moi, je préfère vraiment attendre qu'on ait plus de diams pour pouvoir me faire un full parce que par contre je n'ai pas assez de level pour le réparer. Bon bah 8 levels pour un seul Mais truc, sérieux? Watershock, Non. ça veut pas t'ajouter en fait. Ça me dit que ça essaye de se connecter à toi, mais ça t'ajoute pas. Bon bah merde, j'ai visiblement pas assez de level pour réparer mon armure. Yeah. Je vais me mettre une 10 du coup. Et Tac. il veut même pas raccrocher, c'est. Il s'accroche. Alors attends, Ça, c'est l'espoir. Spirit Wolf, Oui. je vais couper la conve et je vais la rappeler, ok? Ok.
je vais aller m'éloigner un peu parce que. Ah, t'éloignes pas trop non plus, hein. Parce que si on est plusieurs à charger différentes chunks, on Non, va non, faire non, ça cracher va ça. aller si c'est lui qui Non, s'éloigne. Même à 3, on chargera jamais assez de chunks pour ouais. gêner le truc. Pour faire planter le serveur. À 3, à 3, à, du moins à 2, on a réussi à faire crasher le serveur. Mais on était en train de visiter le continent. Ouais. Mais à fond, c'est-à-dire que le CLB allait dans un sens, j'allais dans l'autre. D'accord. Ça a pas plu au serveur. Donc dans ce cas, ouais, faut qu'il y en ait un qui génère toute la map, comme ça au moins. Enfin, qui charge au moins une fois tous les Ok, checks. tu nous entends, donc tout va bien. J'ai des minerais à faire cuire. J'entends des voix, c'est la pause. Vous êtes en live! Excusez-moi. Il y a plus élevé. Non, c'est. Vous avez même pas de redstone! Si, Si, dans dans le le coffre coffre à à redstone. redstone. Ah, il y a un coffre à redstone? Oui, juste en dessous de minerai. Ah oui. Je Là, même tu pas. peux pas nous dire qu'on n'en a pas. Ah oui, Ouais. ouais. Enfin, perso, moi, j'ai 5 stacks de blocs de redstone. Ouais. Salut! Ouais. Jules 00. Avez, Ah Jules. oui, c'est Ah oui. normal, Wither Voice, que tu entends des voix alors que c'est la pause. C'est pour éviter que la pause soit trop chiante. On a un Oui, petit peu tout est normal, d'action. tout est normal. C'est Faut tout à fait dégager, je normal. reviens. Je Tout est reviens juste deux normal. secondes. Merci d'être rassuré. La Je reviens compagnie juste va deux secondes. s'occuper de vous au plus vite. Me fait chier. Et vous? Pareil. Vas-y, on part en donjon sans CLB. J'ai pas les coordonnées, c'est le seul à les avoir. Ah merde. Dommage. Du moins, si je les ai peut-être, je les ai peut-être. S'il les a pas Ah. changés, je les ai peut-être dans les anciens messages qu'il m'a envoyés. Mais on s'en fout. Hop. Hop. Je vais peut-être Hop. Re, non? C'est ça, re? Peut-être. Ouais, Ah, re. re T'es le tellement live. pas distrait. Re tout le Non, mais monde. j'avais pas coupé mon micro pour Skype. Donc, re-everybody. Voilà, on est de retour in-game. Kamika te demande si tu peux faire un don. De quoi? S'il peut te faire un don. Un bon genre à Tiens, Archa. j'ai clairement fêlé. Ce serait. Archa! Si des gens sont motivés L'argent pour des ça, abonnés! ce serait vachement bien parce que j'aimerais bien m'acheter Sony Vegas en plus. Mais Il le. aimerait bien te proposer 100 euros pour t'aider. La vache, bah ça me paierait déjà 3 quarts de Sony C'est une Vegas. vache. Mais le truc c'est que. J'ai pas de PayPal. Hein. J'ai pas de Tipeee. J'ai rien de tout ça qui puisse me permettre de donner Et idem, ce j'ai genre rien de tout d'argent. ça non plus. Non, Non plus, non Alors plus. évidemment, pas question que je donne un numéro de carte pour autant. Demande à Ouais. tes parents peut-être, hein. Ouais, Peut-être qu'ils ont un d'ouvrir un PayPal. Ça... PayPal. Ils doivent avoir un PayPal, tes parents. Je Ouais, je pense pas. pense pas. Je pense pas. Ils vont lui voler tout son truc. Hein. Ça va rien servir. Il sera livré son truc. Ouais, ce serait pas mal que je puisse me créer un PayPal pour ça, mais bon. Faudrait que tu demandes à tes parents et voir. Mais alors, si tu veux, reste abonné, Kamika, et on te préviendra dès que tu pourras faire des dons. Pour l'instant, c'est Si pas je vois vraiment qu'il y a des gens qui possible. sont motivés pour, ça aussi bien. Après, peut-être que c'est juste une astuce maléfique pour me voler de l'argent, mais bon. Ouais. Je ferai en sorte Mais que ce bon. soit Ouais, aussi. strictement impossible quand j'ouvrirai un éventuel Mais système surtout de qu'il n'y don. aura rien de base sur ton compte. Oui. C'est-à-dire que si c'est le premier à faire un don, il gagnera rien. Ah, Même s'il essaye de te alors je voler. suis. Bah ouais. Vous entendez le vent sur le dos ou pas là? Un peu. Bon, c'est pas très gênant. À peine, même moi je l'entends à peine. Oh, parce que j'ai chaud. Ah, toi aussi. On vit peut-être pas dans la Et même donc, région. CLB, Enfin, je faut dire que suis moi je suis en vraiment full t-shirt. P2. Voilà. Oui, bon, écoute, je m'en fiche. Bon, et du coup, on n'a pas pu le faire. J'ai voulu, avant que le bug arrive, proposer aux gens si, pendant ton absence, je devais refaire la salle du Nether pour te faire une surprise. Mais au final, on n'a pas pu. Parce qu'il y a eu le bug de la con.
Parce que j'avais oublié de brancher ma webcam. Du coup, ta salle reste comme ça pour l'instant. Ok, c'est plutôt chouette. T'as eu de la chance, hein. Oh, écoute, bon. Est-ce que voilà, j'ai vraiment envie de la modifier, cette salle. Deux vaches, enfants. Oui, c'est normal, j'ai tué les autres pour faire des bouquins. Plus de bouquins, toujours plus de bouquins. J'ai tué des vaches de pour faire des bouquins. Des bouquins, c'est le bien. Riment 1. Vraiment psychopathe sur le... Riment 2, bon. MDR. Et si on allait voir le donjon? Ça fait combien de temps, là? Ça fait un peu plus d'une heure. J'adore comment vous vous êtes réveillé quand on parle d'argent, lol. Non, mais c'est vraiment que là, je veux vraiment changer de logiciel de montage. J'étais tenté de craquer Sony Vegas. Le problème, c'est que ça va à l'encontre de tous mes principes. Et que j'ai pas envie de craquer un logiciel, ça se fait pas. Et, puis, pas. Quoi. Et donc, si je trouvais les moyens de m'acheter ça, ça pourrait être vraiment, vraiment cool. Après, sinon, j'ai rien d'autre à en faire de cet argent. Hein. D'ailleurs, Sony Vegas Pro, c'est fait quoi déjà? C'est quoi déjà? Ça me revient pas. Sony Vegas Pro, c'est le deuxième logiciel le plus haut de gamme avec Adobe Premiere. Voilà. Mmh. Et c'est soit avec quoi Lunatic fait les EPB, si tu veux savoir. Donc, niveau possibilité de création, ah, ça oui. Se pose là quand même. Après, si c'est élevé pour ta salle, j'aurais peut-être du quartz taillé ou des piliers quartz Non, le Slash Human Giant Kamika, ça nous intéresse pas. Giant, dans le bolos. Est-ce que c'est géant? Diamond. Lâchez le dire par contre. Diamond. Diamond. Non! Non, j'ai voulu lui claquer la porte au nez, j'ai pas réussi. Bolos. Diamond, boum! Alors, Summon Giant, ça nous intéresse pas. Ok, bah tant pis alors. Après, si ça t'intéresse, CLB, tu peux le faire. Hein. Mec, tu crois que... J'aime bien. Si ça t'intéresse, tu peux le faire, il le fait. Yola. Et si on le capturait... Attends, CLB. Putain. Si on le capturait et qu'on le nommait Robert. Ouais. Robert, géant, notre géant apprivoisé. Géant vert. Bref. Normalement, il peut pas sauter plus d'un bloc. Il est coincé si, comme si. Un. Si. Oh, bah, niveau hitbox des géants, je préfère pas prendre de risque. Mais où c'est tout, les gars? Dehors, juste dehors. Devant l'arbre. On a pas summon un géant dans l'arbre, tu crois quoi? Même s'il y a pas de mob griffing, dans le doute. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra pas. Water shock, bouge pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourra pas se casser si je l'entoure comme bien, ça. Bien là. Ah, bonjour. T'as que tu MDR. Ah, regarde ça. Regarde notre petit Robert. Petit Robert. Bonjour, petit, hein. J'espère que c'est temporaire. Il a encore que 3 ans. Ah oui, on va faire plus joli après. Le petit Robert MDR. C'est le nom d'un. Sur Robert. Attends, je crois que j'ai une étiquette chez moi, je vous la ramène. Salut Robert. Ouais, j'ai une étiquette chez moi, je vous la ramène. J'ai jeté une lastre des coffres. Hop. Et voilà, c'est le père de Quasimodo. Oh, le père de Quasimodo. Eh, faut qu'on refasse un Quasimodo. Bah, celui-là, on l'avait apprivoisé à partir de rien. Ça va être difficile de refaire un Quasimodo. Bon, par contre, il va falloir le protéger. Parce qu'il va faire jour. Je crois qu'il craint pas, cela. T'es sûr? Il aurait déjà commencé à cramer depuis bien longtemps. Ah là, oui. Là, il est facilement. Là, quoi qu'il arrive, il est coincé. Il me semble que les gens ne crament pas au soleil. Quoi qu'il arrive, il est coincé. Ouais. Donc, En zombie, je crois qu'il y a que les géants et les bébés zombies qui crament pas. Ouais. Voilà. Et en plus, il nous attaque pas. Il est gentil. Il est gentil, il nous attaque pas. Ouais, il nous attaque pas. Au lieu d'utiliser une étiquette qui serait peut-être un peu chiante à manipuler, je vais faire slash en. Je vais faire un petit data, je vais montrer mes capacités. En espérant que ça marche, et comment on va pouvoir le prouver pour un géant? Giant. Comment on va pouvoir le prouver son nom? Custom name 2. Robert. J'ai cru que le géant il avait dit ça. Name visible 2.1. Et voilà. Oh, il s'appelle Robert, mais je crois que... Oui, c'est visible, c'est visible. J'ai essayé de lui donner une hache. Essaye de lui donner un item. Avec c'est un certain qui est un peu plus compliqué, ça. Donc, Robert. Ah, bah si tu peux pas, mais ça aurait été sympa. Par exemple, parce que... Oui, mais si, c'est carrément possible, mais c'est une commande un peu complexe. Parce que si tu lui donnes un item, on est en plus sûr que... Avec le moindre bug, on est sûr qu'il ne despawn pas.
À partir du moment où un zombie a un item, Chester armure ou une arme, il despawn. Dès qu'il est renommé, il despawn pas dès qu'il est renommé. Si, ça peut bugger. Ouais, c'est ça bug, mais... Le Renaim bon. Peut bugger, c'est le défaut. Bon, là, on a juste un zombie géant, bon, admettons. Hein. Merci le chat. Salut, merci, oui, en fait, c'était une bonne idée. Si vous voulez une intro logo voilà. Bannière, niveau Mika. Logo bannière, on a déjà ce qu'il faut. Et niveau vidéo, bon, bah, pas réellement besoin pour l'instant. Et sinon, pour la pub intempestive, je supprime le message, voilà. Alors, attends, oula... T'es pas dit que tu voulais faire un épisode d'MVO? Ah oui, c'est vrai, putain. Quel et si on allait faire ce donjon, du coup? Ouais, on va peut-être aller faire les donjons. Je suis dans le pied de Robert. Or, si vous êtes... Si vous, je suis dans sa main, ouais. Je suis dans son pied. Je suis dans son pied. Là, j'ai à peu près un stock de bouffe. Hein, donc je vais... Set... Il m'a pris en otage. Je vais set mon dossier, déjà. CLB, Minecraft 2, Minecraft vous est offert, saison 4, épisode 16. Attends, voilà, juste mettre mon spawnpoint. Je vais en otage. Je vais ouvrir... Oh putain, il me reste que 54 gigas de libre sur l'OS. Oh, dur. Dur. Il va falloir que je fasse du nettoyage parce que sinon ça va pas mal se passer. C'est oh, B, moi. Minecraft. Minecraft vous est offert. Vous êtes offert. Minecraft vous est offert. Oh, map plus co. Bon. Ouvrir avec Paint. Vous savez pourquoi? Parce que ma galerie de photos fait un peu plus ramé que Paint. Voilà. C'est dit. C'est officiel. Et voilà. Alors, qu'en pense le chat? Oh, c'est le géant vert. LOL. Putain, j'ai que 148 gigas. Oh, mais dites-moi, 5 visionnages en cours. C'est un magnifique. Pic d'audience! J'en fais partie. CLB, te plains pas. Sur tout mon disque dur, j'ai que 59,3 gigas de libre. Comme moi. Sur 140. Sauf que moi, j'ai un disque dur d'un tera presque vide à côté. Mais le problème, c'est que si je filme un épisode de MVO là-dedans, je vais plus me retrouver. Donc, tant pis. Hein. Alors, le deuxième donjon, c'est le donjon de White Winter. White Winter qui se trouve en 5300. Ah, quand je regarde là-haut, hola, qu'est-ce quand je regarde là-haut, je suis à 500 FPS. Hola, qu'est-ce je sais un peu parler espagnol, Bart Ogurven. Moi, je saurais à partir de l'année prochaine. Non. Bon, et bon, pas. Vous me laissez là, commencer les petits jeux. Absolument pas. Allemand, c'est un. Ok. Ah, plomb, là. Rich. 3. Bon. Tais-toi. Bon, les coordonnées, elles sont où les coordonnées du donjon là? Les coordonnées du donjon, je viens de les dire. Putain, tu me laisses commencer l'épisode? Il m'énerve. D'accord, je te laisse commencer l'épisode. Oh là là. Donc. Alors. Évidemment, dès que je fais du second degré, l'autorité parentale gueule que je suis un gros rageux, voilà. Donc, 3, 2, 1. Bonjour à Minecraft, ici c'est LB35. Pour un nouvel épisode 2, on va venir m'engueuler parce que le second degré, certains ne comprennent pas. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft vous êtes offert. Aujourd'hui, on compte faire le nouveau donjon avec Spiritus, Stinchoff et l'abonné moyen. Il y a CLB tout feu, tout flamme. Voilà. Débile. Bref. Tu es brûlant. Mais t'as bon, pas un peu chouette cette lave, peau, ça brûle. T'as pas un petit peu chouette cette arme? Je vais te donner un peu de viande si tu veux, voilà. Donc, est-ce que vous avez tous du speed? Oui, j'ai le speed. Non. J'ai deux stacks de bouffe. Ça te dérange pas de prendre la viande quand je t'en donne? Mais mec, j'ai un stack de bouffe moi. Ah bon? Tu dis, t'as pas un peu chouette avec cette armure? Ah, j'avais deux stacks aussi. J'ai mal compris, c'est pas très grave. Donc, c'est LB, devient sourd. Non, c'est LB, devient sourd. Appuie sur le bouton Waterfox, t'as pas le speed. Donc. Appuie sur le bouton si t'as pas le speed, Water. Je sens que ça va me buter, mais... Est-ce que Robert sait parler espagnol? Peut-être que Robert, il le sait, mais en tout cas, pour moi, je le sais à peu près. Donc, au moins, lui, espagnol. Moi, lui c'est un, ce n'est pas un illettré, hein, c'est un dictionnaire. Avec le pack que j'ai, il est portugais. Donc. Water Shock. Oups, désolé. Oh, t'attaques pas Robert comme ça, ok? Hein, Robert? Allez, aujourd'hui on va prendre le deuxième donjon. Si vous voulez savoir d'ailleurs, c'est plus ou moins une rediff de live d'ailleurs, puisque on est actuellement en streaming direct et tout, t'as vu. Ah putain, je suis tombé dans le trou de la mine, attends. Aïe. Dans un je spawn dessous la terre, moi, ok. Bon, bref. Bonjour. Aujourd'hui, ce qu'on va aller chercher, c'est la White Winter. Les coordonnées. Les coordonnées. Alors. Dans le chat. Si vous avez cheaté, d'ailleurs, les viewers peuvent le voir. Attends. C'est en 500, 5300. Approximativement. Et après, on va dans un rayon sans bloc autour. Alors, mais arrêtez de faire un truc. Temps, on va y aller, nous. Je vais faire un truc, attendez-moi. Attends, parce que sinon je lag trop avec le speed. J'ai des gros frisés.
Ah putain, mais compliqué. CLB, tu peux attendre 2 secondes avant d'y aller. Et une petite dédicace à Kamika qui dit coucou YouTube, autant que ça serve avec que ça serve à quelque chose. Voilà. Alors. Enfin, quelqu'un de raisonné, bordel. Bref, ça vous dérangerait d'aller dans la bonne direction. Attends, CLB. On a combien de chevaux? On en a 3 qu'on va emmener. Watershop se balade à pied. Mais non, le mien, il a disparu. Ah oui, ouais, c'est quand même à 4000 blocs, quoi. Il a disparu, quoi. 500, 100 000. Non mais le problème, bon. Mais non, on les laisse ici parce que on va encore les perdre, sinon on peut pas traverser la mer. Non, parce qu'on va noter les coordonnées de l'île où on s'arrête. Aussi simplement que ça. J'ai un bouquin pour ça. Ok. Moi je pars déjà hein, vu que j'ai pas le speed. C'est vers l'ouest qu'il faut aller. Hein. Mais comment dire? Ouais, mon cheval. 500. Il se balade. Oui, tu l'as pas attaché. Il a disparu. Ah parce que oui, vous avez les laisses. Mais je l'avais attaché. Donc il y a quelqu'un qui l'a détaché. Depuis il a disparu. Voilà. Vous avez les laisses au cas ouais, où. Ouais, Jean-Paul. Moi j'en ai pas. Moi j'en ai pas. Donc. Jean-Paul. Je cheval, donc. Viens par oui, là. Oui, toi tu te balades à pied, Watershock. Ouais. Mais moi sinon Jean-Paul. Je la prends. Avec est-ce que t'es dans la salle de la pomme de notch, Jean-Paul? Jean-Paul. Je vais t'aider à le rechercher avec nos gardes. Je suis déjà en 3600, 5200. Donc. Oui, mais bon. T'es parti sans nous en fait. Je vais tranquillement. Oui, littéralement. Bah oui, mais bon. Oui, mais moi je me suis enlevé le speed. Donc, eh bah non. Faut bien que tu prennes un peu d'avance. Admettons. Ouais. Alors. Hop. Alors, donc du coup, j'aimerais vraiment savoir où est mon cheval. Qui a paumé mon cheval? Je le cherche avec le mien. Comme ça, je génère un peu la map avant, quoi. Il est là. CLB, t'es aveugle. Viens côté salle de notch. Non, mais il est blanc et gris, quoi. Viens côté salle de notch. Il se fond dans le paysage. Ah oui, c'est vrai, il est là. Mais le mien, il a compris, genre, ça se trouve, il est mort, en fait. Il est mort dans la fosse de Rick de souffrance. Jean-Paul. T'es à Salès? Je n'ai pas de laisse. Tu es à Salès, CLB? Non. T'as de quoi en crafter dans les coffres? Ah bon? C'est 4 ficelles et un slime bloc. Mais ça serait plus utile si on les dépose. Une boule de slime. Une boule de slime. Oui, pardon. Oui, parce qu'un slime block ça coûtera un peu cher pour un glace. CLB, si je te dis de faire ça, c'est parce que c'est toujours plus sûr. Parce que le temps qu'on revienne, ils peuvent se barrer très loin. Bon, le mien, il a complètement disparu. Alors, je vous conseille de pas prendre vos chevaux, les gars. Vos chevaux. Je vous conseille de pas prendre vos chevaux. Oui, parce qu'il y a de l'eau. Oui, on sait qu'il y a un océan de glace. Et justement, on va le déposer. Oh, au pire, on les laisse live. Ouais, au pire, moi je suis déjà à l'océan de glace, moi je suis en train de le traverser là. Moi j'en mets de bien, direction ouest. Ouais, là je suis en 3500, je me rends vers le 500. Ouais, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mien et comment dire, on va vers où là? Vers facing north, tu vas pas au bon endroit, hein, Geoff. D'abord tu vas vers le sud-est et puis après tu. C'est le sud-est. Et après, dès que t'arrives en. Ouais, sud-est. Sud-ouest, pardon. Arrêtez de parler tous en même temps. C'est le sud. Ah d'accord, je pensais que c'était au nord, le continent. Non, tu vas le continent, d'abord. Non, il est à l'ouest, bande de bolos. À l'ouest. Laissez-moi parler. Non, on te laisse pas parler. Vous allez d'abord On va d'abord à l'ouest, je connais mieux la map que toi. J'ai fait du repérage pendant 4 heures pour noter l'est, l'ouest, le nord et le sud. J'ai tous les points cardinaux, j'ai toutes les coordonnées importantes. Je sais où il faut qu'on aille. Non, je vais me voir une bite en glace là. Ça, je sais pas, Watershock. Bref. Donc c'est par là, CLB, si je me trompe pas. Moi je sais où je vais, de toute façon. Je m'en fous. Bah, moi aussi. Je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Spirit Wolf, lui. On se retrouve au donjon, au pire, on en téléportera. J'en ai rien à péter. Blablabla. J'ai en 3000, 5000. On a pas pris de vie, on est un peu con sur les bords. Ah. Pas grave. Bah il y aura peut-être des moutons, j'ai un peu de bois donc. Il y a des moutons pas loin donc vu que. Pareil, j'ai un peu de bois. Il y a des moutons pas loin dans la vallée. Ouais, prenez des. Enfin, il faudra prendre des laines parce que j'ai du bois donc. Je sais où. Je pars jamais sans bois moi. Non, Geoff, pourquoi tu dis que le continent est vers le nord? Parce que je te rappelle que le nord, quand on va au nord. Non, mais ça ramène de manière. Ça fait qu'il y a moins d'océans à traverser, ceci dit, plus de chemin à faire pour aller là où on veut aller. Pour qu'on veut que ce soit plus direct, soit aller vers l'ouest. Après, t'as pas tort, si on veut atteindre le continent plus rapidement, c'est vers le nord. Mais ça nous rallongerait vraiment le chemin ensuite. Oui, bah ok, donc on va. Là, il me reste plus que 2500 blocs à faire. Bon, j'ai les 3 laines pour faire des lits.
un lit. Ouais, un lit, ouais, c'est ça. Moi, je suis au niveau de la plage, justement, ouais, tout à l'ouest. Ah non, non, attends, non, moi, c'est levé. Comme ça, on va voir si. Plus, comme ça, moi, on peut faire passer la nuit. Tu laisses paraître un genre, s'il te plaît, Watershock. Passer la nuit, ça va prendre trop de temps de récolter, de tuer assez de moutons parce qu'ils sont en petite quantité. Ce qui est chiant. Ouais. Moi, je vais essayer, je suis en train de faire le tour de la plage pour essayer de me retrouver. Jean-Paul. Or, moi, je suis en plein milieu de l'océan. Je t'ai pas tapé, Jean-Paul. Dis pas n'importe quoi. CB, attends, c'est lui. Jean-Paul, arrête de bouger. Jean-Paul, arrête. Ah, mais fais un enclos. Ouais, c'est ce que je me suis. Ok. Ça, c'est les coordonnées du. Oui, non, mais je demande les coordonnées de CLB que je puisse y rejoindre. Ah. Alors, si tu veux mes coordonnées. Oh putain. Mais en gros, CLB, si je me rappelle bien, c'est la direction dans laquelle on avait fait la course. Ouais, je crois bien. Du coup. J'adore, moi, je suis en train de faire une. Je veux pas, je suis Jean-Paul, joue-moi la paix, Jean-Paul. Ne monte pas sur l'enclos, Jean-Paul, il est pas fini, Jean-Paul. Putain. Je te vois, CLB, je te vois, j'arrive. Une longue journée, une putain de longue journée. CLB, t'es co-SCP. Ok. Il essaye de le demander à l'oral depuis tout à l'heure, mais personne ne lui donne. Parce que Watershock arrête pas de gueuler tout le temps pour rien, donc voilà. Oh putain, je lag. Et Jean-Paul est parti sur l'océan de glace, quel boulet. Un cheval n'aimant pas l'eau se mettant en danger. Enfin, une grande plaine de glace. Putain, mais arrête de bouger, connard. CLB se met à insulter son cheval. Mais quel abruti. Mais quel sombre idiot. Ah, oh yes, je l'arrive. Du coup, voilà, j'ai attaché mon cheval. Mon cheval est attaché, c'est bon. D'attacher mon cheval. Oh putain, mais arrête de bouger, espèce de FDP. Attends, CLB, vu qu'il saute plus de deux blocs ton cheval, je vais faire un enclos autour du mien et tu vas l'emmener le tien. Et où est-ce que tu veux que j'emmène? Et vous avez oublié vos coordonnées un jour? Si tu veux les miennes, je suis en 2600, 5320. Donc. Voilà, il est enfermé. Ce moi, je m'enterre autant que vous savez. Voilà, je te donne les miennes. Si voilà, c'est bon, Jean-Paul est là. Et moi, je vais noter 3240. 5090, voilà. Aïe, c'est les coordonnées. Ma chance, je vais peut-être aller chercher des moutons. Oh. Si tu en trouves, tu peux, mais normalement, t'en trouveras pas. Moi, j'ai une laine. J'ai une petite plaine là, donc. Oui, mais les mobs, il me semble pas qu'ils spawnent naturellement. Alors, je suis tout seul là où on est censé aller, en fait, c'est par là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a. CLB, regarde, je suis un peu plus haut sur la colline, hein, si tu regardes bien. T'es où? Même pas. Ouais, je te vois pas. Oh, j'ai trouvé un petit truc. Les gars, je crois que j'ai un labyrinthe. Un labyrinthe, oui, non, mais on sait. On connaît la map par cœur, nous, en fait, parce qu'on a terraformé dessus, en fait. Enfin, pas terraformé, mais on a quand même installé les donjons dessus, donc on sait de quoi on parle. Donc il n'y a pas de grosse surprise, en fait. Du moins, quand même un peu, hein. Parce que, surtout pour moi, pas pour CLB, mais pour moi, il y en aura quand même un peu beaucoup. Hop. C'est qu'un labyrinthe, il y avait même écrit sur la page Minecraft France de la map que ce labyrinthe change de forme au fil du temps. J'ai pas bien compris comment, mais admettons. Bon, d'après moi, c'est plus du. C'est plus du. Mais quoique, au début, le changement de saison, on pensait que c'était du RP, mais en fait, il y a vraiment. Si on installe un pack de textures, hein, ça fonctionne vraiment. Il y a des petits scoreboards pour ça. Oui. D'ailleurs, CLB s'en est rendu compte qu'il y avait plein de scoreboards. Ouais. Donc, il y a peut-être des commandes blocs. Donc, ça serait quand même bizarre. Hein. Bah, s'il y a des scoreboards, il y a forcément des commandes blocs qui les contrôlent. En tout cas, si on a changé le world spawn. Bah c'est probablement plus fonctionnel. Bon après pas très grave. Là tu vois je suis là CLB depuis tout à l'heure. Bah oui je suis tout. Oui. Spirit Wolf, tu arrives à Noko? Ouais désolé, je suis en 3300. On est quasiment en 3300. Ouais. C'est plus ou moins 3300. 5000 en fait. Là où on est. Là c'est là où exactement. Ah ok ouais donc vous êtes pas très loin de moi. Ouais, 5000, on se réunit tous et on marche sur l'océan. Tous ensemble, ouais. Watershock, il est déjà sur l'océan. Non, moi je suis déjà sur l'autre île, moi. L'autre île? Attends, nous c'est, on est sur une petite île à la base et l'autre, là où t'es arrivé, c'est probablement un très gros continent. Bah, je suis là où il y a le genre de labyrinthe. Ouais, bah, t'es arrivé sur gros continent. D'ailleurs, t'as vu? Moi j'ai pas eu de problème, j'ai emmené la laisse. D'ailleurs, je note dans le bouquin les coordonnées de cet endroit. Moi j'ai déjà noté dans Attendez, les gars, moi je joue en 5000. Je joue en moins de. Enfin, je joue en 2680, 5000.
Oups, je suis on se rejoint à peu près. Quand on arrive sur le continent, il faut aller à gauche. Pour atteindre le biome de glace, et puis à la pointe du biome de glace, il y a le donjon qui est un donjon. J'ai pas encore eu le biome de glace, moi. Oh, il est assez loin. Le problème, c'est que moi, en fait, il y a plein de mobs. Mais c'est avec les araignées. Ouais, les amis. À la limite, les araignées, ouais. Ouais. Personnellement, j'en croisais beaucoup, mais. Ça serait. Oh putain, j'ai deux bébés zombies. Emplacement chevaux, donc on est en 3289. Le Z, c'est quoi vos coordonnées en Z? Nous, là, actuellement, on est. En Z, c'est simplement 5100. 5100, voilà. Voilà. On est en 3300, 5100. Alors. Ah, ok, vous allez arriver vers une. Mais là, on n'est pas encore, on est encore sur l'île. Ouais. Hein. On est encore sur l'île, nous, on n'est pas encore. C'est pas la nouvelle mage. Non, on est en 1.8. On est en 1.8. Je voulais faire quelque chose, je sais plus marrant, quoi. Je creuse une petite salle. Oui, il m'a tué hier, bien sûr. Regardez comment ou pas. Et oui, il y a le PK, il répond pas. Désolé, j'ai pas regardé ça depuis longtemps. Mais ah oui, je fais déjà le lit, comme ça c'est réglé. Franchement, je m'excuse, hein, mais là je tourne une vidéo en même temps, en fait c'est un épisode de MVO. D'ailleurs désolé pour la petite rediff, mais voilà, vous savez tout. D'ailleurs du coup c'est LB, t'en es où, quoi ? Contrôler le bordel absolu qu'a ces trois types, ces trois gugus. Hey, tu fais partie aussi, hein. Ah, il est là, Spirit Wolf. Et ton armure ? Oui, j'ai dans mon inventaire, t'inquiète. Mais il veut pas l'abîmer. Ah, il a voulu nous attaquer en mode Fallen Kingdom. On avait notre petite forteresse pour protéger mon cheval, et lui, le creeper, il arrivait. Heureusement, il détruit rien. Bon. Il est où Jean-Paul, d'ailleurs ? Jean-Paul, il est plus bas, il est au niveau de la plage. Donc bref, Watershock, t'es dans quel coin, là ? Je suis en 2813-5418. Donc t'es 5000 niveau Z. Oh ouais, bon. je suis en 5100. Ouais, voilà, 5000. Je me suis enfermé. C'est en 3000. Attention, attention. J'ai perdu un demi-cœur. Ouais, donc vous êtes à 600 blocs de moi là. Donc. J'ai même pas perdu. J'ai perdu un demi-cœur, j'ai pas compris. MDR, j'ai récupéré toutes les merdes que t'avais droppées, Tinjoff, merci beaucoup. De rien. De rien. Ça fait chier. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que j'ai ramené un briquet ou un seau de lave? Non, désolé, dommage. J'ai un seau de lave. Ah bah, fais-toi plaisir. Je peux sérieusement? Le soleil commence à se lever. Autrement dit, ah non, mais ça, je m'en fous, les items. Les items, on s'en fout, mais ce que je veux dire, c'est. Du coup, je vais pouvoir en faire un chemin. Ah, tu vas pouvoir faire un chemin de cobble. T'es sérieux? J'ai deux stocks de cobble. Ça va prendre 4 plombes. Ma propulsion à creeper. Perso, moi je jump sur la glace. J'arrive à me brûler. Ça chauffe. Ça chauffe, c'est élevé. Un petit peu, ouais. Bon, bref. Nous on se dirige vers le continent, hein. On te fait confiance pour nous suivre. Mais c'est élevé. T'es suicidaire ou. Je sais pas. J'ai eu site. Et notre site pour direct, si tu demandes notre logiciel, c'est OBS. Et actuellement, oui, on est en train de jouer. Et désolé pour la non-lecture du chat. Ça fait 3 fois, CLB, 3. Ouais, écoute, tu sais ce qu'on fait, regarde. Putain, mais tu le fais exprès là. Non, je pensais pas que c'est passer. Ça le pire. Bah, écoute, là je vais ouvrir vers l'ouest, c'est bon, dans la bonne direction. Quand on va trouver le continent à partir de là, et là, faudra suivre la rive vers la gauche. Et là, on tombera probablement d'abord sur le premier donjon et ensuite bien plus tard sur le deuxième. CLB, habituellement, je fais tout pour te tuer. Et là, exceptionnellement, je veux pas te tuer plus que ça. Et toi? Et pour la première fois, ça marche. C'est quand je veux le moins que ça marche le mieux. Ouais, c'est habituel. J'ai 4 briquets, les gars. Si j'avais essayé, j'aurais pas réussi. Ça, c'est classique. Comme situation. Et non, mais la plupart du temps. Non, quand j'essaye, je réussis. Non. C'est ça le pire. Même pas ah bon. Si c'est elle. Ah non ça c'est par contre. Oh, tu nous fais des dégâts. Moi je fais énormément de dégâts. Je veux me persuader que c'est absolument faux. J'aimerais beaucoup que ce soit absolument faux. Potion de poison, briquet, saut de lave. Quand je veux, j'y arrive sans problème. C'est pour ça que j'ai hésité à installer un alambic. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'interdire d'utiliser un propre alambic qui t'appartient.
terre en vue, bande de fer. Ah, vous avez la terre en vue. Ah merde. Oui. Ah merde. C'était joli ça. Oh, vous avez la terre en vue. CLB left the game. Ah oui, vous vois, les amis. Je vous vois. Tu peux donner les coordonnées exactes de la vidéo. Je sais pas si je suis encore loin. Attends. C'était nul. En sachant que moi je continue en ligne droite. Hein. Moi j'arrive. Je vois la terre. Alors, attendez. Je vois la terre. CLB, dès que tu touches la terre, tu me donnes les coordonnées où tu te trouves. Je vois le. Ah bah je vois le CLB. Je suis d'aller vers l'ouest en fait. Ah mais c'est ce que j'ai fait les mecs. Bon bah j'ai perdu mon saut de lave. Oh. Bonjour CLB. Bonjour, je t'ai entendu. Ouais, oui. Bon, tu peux TP à toi du coup, vu que ça sert plus à rien. J'ai perdu mon saut. Non, tu viens. Voilà. Je vais imbriquer par toi. Non, mais j'ai perdu mon saut de lave donc. Oh, j'étais pas si loin que ça là. Là, je vois encore juste. Je vois encore l'île avec ma render distance buggée. On n'est pas si loin que ça, hein, c'est proche. Et je vois mon chemin. J'étais pas mi-chemin, j'étais au. J'ai fait un quart du chemin. Ouais, on essaye d'installer un petit pont définitif, mais ça va être compliqué. Ouais. Tanjoir, en bas. Oui. T'as parlé de ton briquet. Spirito, je t'ai où là? T'es coincé sur un mer de glace. Je nous ai fait un. Un briquet. Spirito. Ah non, je l'ai. Je l'ai. Spirito, enfin. Spirit, il est mort. Spirito, foif. Esprit de caniche. Esprit de caniche, le bâtard. Essaye sur Skype. Spiritus Wolf, ça se trouve, il nous a dit qu'il passait à AFK, mais bon, il y a tellement de difficultés à parler à Laura. Je peux pas le brûler, il est sur de la glace. On va le téléporter avec. On va le téléporter avec. On va éviter de le noyer. Ouais, parce qu'elles sont safe et tout sur lui. Évitez de le mettre sur le continent. S'il y a les mobs, il est foutu. Bah oui, il fallait pas le téléporter maintenant. Il est dans la petite cabane que j'ai faite. Petite cabane complètement fermée. Faut voir ça une porte. Bah, on peut la fermer. Donc. Faites une porte. Ouais, je vais mettre une porte. Je vais faire une porte. Ok, bah moi je commence à avancer. J'ai une underpearl pour avancer d'un coup plus vite. C'est vers la gauche qu'il faut aller, hein. Attends, oui, mais je monte tout en haut de la. Ah oui, j'ai oublié que ça faisait un port 3. Attends. Voilà, je me fais une petite cabane. Ah oui, d'accord. Quand tu parlais du labyrinthe, tu parlais de celui-ci. Oui. Ah oui. Alors lui, mieux vaut éviter de trop s'y balader. J'ai vu quelques petits mobs. On l'a vu par-dessus. C'est quasiment impossible de s'y retrouver dans ce truc. Le problème, c'est que je crois qu'on va être obligé d'y passer. Non. On va passer. On peut le contourner. Waouh, quelqu'un touche à quelque chose ou pas? Oh, tais-toi. J'ai eu des gros frises. Vous êtes parti où? Par la gauche, comme on a répété 57 putain de fois. Bon. On suit la plage de gauche en fait. Là. Et on va trouver le premier donjon au bout d'un moment. Et après, on continue, on trouvera le biome de glace. Et tout au bout du biome de glace, il y aura le deuxième donjon. Mais pourquoi j'ai des gros frises comme ça? Sérieux? J'ai vraiment envie de traverser. Désolé, CLB, je suis obligé. Bah, CLB Écoute, bonne mort, hein, oui. Oui, Watershock. Non, c'est juste un jeu qui a dit SLB. J'ai trouvé le donjon. Allez, fuck you. Alors, bloqué temps. Attends que le coordonnée. Voilà. Bon, je supprime. Attendez deux secondes, faut que je supprime quelques messages. Il y a un four. Wow. Putain, mais sérieux, voilà. Je crois que je suis en train de générer le labyrinthe, putain. Voilà, donc comme rappel, on est en live en même temps. Enfin, avant vous, en fait, là. Ouais, l'épisode 16, il va être diffusé vers fin septembre. Actuellement, on est likes, en début août. 15 likes. Oh. Ça, c'est. Donc, c'est... vous avez l'épisode ça, en avant-première. Ça, c'est le premier donjon. Oui, bah c'est le premier, d'accord. C'est celui que vous avez fait avec Fanax. Je crois que t'es pas à vous. Ouais, c'est celui où. Oui, si tu lui tiens. T'es un peu lent, faut dire. Non, bah parce que t'as pas voulu prendre le bit parce que ça lague. Bref. Donc là, du coup, on a un biome de glace. Je vous attends de l'autre côté de la montagne. Bah non, en fait. Lol noob. Underpearl va beaucoup. La montagne, elle est beaucoup plus plate. Moi là, je vois où t'es.
La montagne a été beaucoup plus plate que ce que je pensais. Message. Non, je ne peux pas. Voilà, Bigos, désolé, mais non. Non, non, putain, non. Voilà. Putain, j'ai Minecraft qui crash. Je me suis mis en invisible. T'as Minecraft qui crash. Champion. Bon, on t'abandonne. Le temps que tu reviennes. On te laisse, tu te téléporteras. Là, Java ne répond pas. Fermez le programme. 9-4. CLB, tu essayes d'utiliser le gestionnaire des tâches. Oui, même ça, ça marche. Les coordonnées, c'est 500-300, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça. 500-5300. Attends, c'est quoi les coordonnées? Putain. 500-5300, ça doit être 5000-5300 parce que là, ça me paraît bizarre. Non, c'est bien 500-5300. Ouais, ouais, on arrive pas. Ça y va en réduisant, donc c'est bien ça. Ah bah, Watershock a quitté la partie. C'est normal, il a crash. Oui, mais c'est enfin que ça l'affiche chez moi. Et, bon, ben, ça l'affiche pas. Et même avec le gestionnaire des tâches, il veut pas. Bref. Et à quel point j'ai un PC pourri, tu vois. Eh ben, en même temps, on vous fait découvrir la sublime map. Voilà, bon. Bah, le terraforming est vachement classe. Hein. Moi, je commence à prendre l'habitude, vu que ça fait un petit moment qu'on manipule cette map quand même, mais... c'est beau, c'est juste beau. Juste 16 épisodes, je crois. Là, on tourne le 16e. Donc oui. Même un peu plus, parce que du coup, on a dû installer les donjons avant et faire énormément de repérage sur la map. Ah oui, on a dû essayer de voir pour la charger à peu près et tout ça. On a réussi à faire crash le serveur une ou deux fois. Ça, je m'en souviendrai toujours de ces crashs. Là, on se dit, putain, ça tire sur le serveur. Je sais pas combien, on sait pas combien de temps il va tenir. Et là, plus de serveur. Allez, moi j'avance, je sais pas où tu es, hein, Georges, je suppose que tu avances aussi. Oui, j'avance, là je vais faire une coordonnée. Faut qu'on aille en 500, mais putain, il nous reste encore plus de 1000 blocs à avancer. En fait, quand on regarde la map, Elle paraît petite. Elle paraît petite par rapport à celle, plus petite que ce qu'elle est réellement. Ouais, mais en fait, ouais, c'est très très long là. Là, va falloir qu'on avance énormément. Non, on a déjà fait à peu près la moitié du chemin, quoi. Même pas. Non, même pas. Même pas. En fait, le plus long, c'est le plus court, c'était d'aller sur le continent. Là, ça vaut un. Ça vaut un screenshot. C'était d'aller sur le continent. Sur le continent, là, c'était rapide. Ensuite, bon. C'était pour atteindre le biome de glace, là, c'était très rapide. Ensuite, là, on traverse un ancien biome de glace. Il est facilement 6 fois plus long que ce qu'on a passé près du labyrinthe, là. Du coup, là, j'arrive en 1900. Enfin, là, j'arrive en 5300. Tiens, je passe au 19e siècle. Ah, tu peux te TP à CLB. Et bientôt, là, je suis dans la révolution industrielle. Hop, attention. Oh. Me voici sur le bloc de la révolution française. Toute cette ligne-là, c'est la révolution française. Qu'est-ce qu'elle a, cette ligne ? Non, mais parce que je suis en X en 1789, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, moi, je suis en 5300. Mais par contre, t'es en 5700, c'est bien. Bah oui, je sais. Moi, je suis en 5300, comme ça, c'est fait. Oh, sapin de Noël! Il y a des sapins partout, en fait. Il y a des sapins partout. Sapin. Ouais, bah en fait, j'ai essayé de creuser dans un truc pour traverser. Au final, c'est catastrophique. J'étais pas prêt de sortir du truc et j'aurais pu me noyer si j'avais 1600. Continué tout droit. Bon bah là je suis sous Louis XIV à peu près. Ah bah là je suis sous 300. Non, je dois être... ouais, là bah, j'ai plus là, qu'à continuer tout droit en fait. Bonjour. Les 1500 je les connais pas. Et mine de rien le speed il te retire ta bouffe à une vitesse folle. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris. J'ai bien fait de prendre 2 stacks de poulet. Hein. J'aurais pris qu'un seul 2 stacks de poulet moi. Il m'en reste déjà que 51 de mon premier stack. Et quand ils ont fêté le premier millénaire de la naissance de Jésus, t'imagines comment c'était dans les rues du Moyen-Âge ? Avec le Moyen-Âge, c'était le bordel ! Ah, ça, il devait y avoir des émeutes, des trucs de malades, de la propagande religieuse à tous les coins de rue. Il devait y avoir des feux d'artifice. Et ça existait ouais, à l'époque. Ouais, c'est une des plus vieilles inventions de l'homme quand même. Ça vient de l'Antiquité, les feux d'artifice. En Chine, ils en faisaient déjà. Il y a très ça vient peut-être beaucoup plus c'est le méconnaisseur c'est pas bah écoute
Ça retranscrit peut-être un petit peu ma personnalité IRL. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé le chat, il faudrait que je m'en occupe quand même. Là, 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 on va commencer à se faire agresser par les mobs. Bonjour, Metrox. CLB, on va commencer à se faire agresser par les mobs. Ouais. Je suis bien, je suis en 1500. Ça va être très compliqué de. Moi, je suis en 1200. Je suis en 1800. Oui, sauf que je suis en 5300 déjà, moi. Ouais, moi en fait, je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, ça suit le continent, donc. Je sais où c'est. Et moi, je longe pas. Je longe pas. Moi, je longe là. Mais en fait, c'est carrément à l'autre bout du continent. Bah oui, c'est l'autre bout du continent, c'est tout au bout du continent. Ah là, j'ai un énorme pic de glace en face de moi. Watershock, au premier commentaire que tu fais, je t'éjecte du serveur. Non, j'ai dit qu'il y avait un énorme pic de glace. Ah. Watershock, t'as pas le droit de faire de commentaires. Comme ma glace. Ah, si vous vous demandez ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ici, actuellement, c'est un petit live sur une série. Sur une série filmée également, dont tout sera entièrement rediffusé. Et même rediffusé dans le entre amis principal. Et avec les abonnés de temps à autre. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo en doublon dans le MC4 Live 7 et dans Minecraft Zetofer épisode 16. Le voyage vers le donjon. Dès qu'on atteindra le donjon, par contre, on coupera la vidéo parce que ça fera un très long épisode déjà de base. Oh, j'ai un énorme pic de glace ici. Ah, mais vraiment, il y en a non. Plein, hein. Oh, mais on voit pas lui, ils sont immenses. Ah, là je suis dans le bas Moyen-Âge. Ou le haut, je sais plus où est le haut et le bas en fait. Allez, je suis en 1100. Je suis en 1100. Moi je suis en 800. Oh l'an de grâce, mille. Je sais plus c'est quelle année. Allez hop. Ça me fait chier parce que là je traverse le début du Moyen-Âge actuellement. Là-bas il y a des zombies partout. Ce serait rigolo qu'il y ait des sorcières, ça correspondrait bien à l'époque. Ah oui, les chasses aux sorcières, tout ça. Moi je serais de l'Inquisition et puis il y aurait des sorcières. Ce serait rigolo. Qui était assassiné à tort. Oui. Sauf peut-être Jeanne d'Arc, parce qu'elle, elle aurait pas dû être assassinée parce qu'elle a beaucoup aidé, mais par contre, c'est vrai que c'était un peu bizarre ce qu'elle avait. Hein. Oui, bon, elle avait peut-être des visions. Ah ouais, elle avait pas de bite. Une fois vraiment elle... forte et tout, mais tu sais que c'est les Anglais qui l'ont brûlée. Hein. Oui, oui, elle aurait pas dû, elle a beaucoup aidé. Elle a aidé les Français. Oui, s'est fait brûler par les Anglais. Comment elle s'est fait capturer, c'est surtout ça la question. Je crois qu'elle s'est fait un peu livrer par les Français aux Anglais parce qu'elle commençait à prendre un peu trop de place dans le paysage politique de l'époque. Ah oui, voilà. Donc c'est quand même les Français qui... Elle avait pris du quoi? Elle prenait un peu trop de place. J'en ai déjà tué pour moins que ça, bref. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que moi, je risque rien parce que si tu me bannes, c'est toi qui va être un peu... J'ai la console du serveur, je te rappelle. Ouais, de toute façon, ouais, il a la console, donc... J'ai la console et toi, tu l'as pas, donc... Cache dans la merde. Et alors, je m'en fous, moi. Attends, j'arrive au bout du continent, là. Ça ne... J'arrive au donjon, ouais. Je suis en 400. Attends, mais je suis en 400, là, c'est quoi ce bordel? 5300, c'est en 250. Je crois que je suis dans... Non, c'est à moitié généré en l'air. T'as dit que c'était en 5300, donc... Bon, au pire, téléportez-vous, moi j'y suis. Je suis vraiment pas loin, je suis à moins de 300 blocs, donc non, c'est normal. C'était pas en 200, en fait, qu'il fallait aller, mais en 500. Et là, je monte dans la quatrième dimension, en fait, vu que je voyage plus dans le temps, mais dans l'espace. 500... Bah là, moi, en fait, moi, je suis à... Ouais, 700 blocs. Moi, je vous attends, je suis au donjon, j'éclaire un peu plus que ça l'est. Le donjon qui est à moitié généré en l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai fait un peu gaffe. Faut pas générer donjon au-dessus des montagnes parce qu'ils ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Déjà que j'ai cassé une petite dizaine de salles avant d'installer la clay. Oula, il y a déjà un squelette qui nous attend en camp sur la première porte. Camping. C'est un marché. Oh. Par contre, je suis en train de penser, j'ai plein d'armes. Est-ce que j'active le levier? Pas maintenant. T'attends qu'on soit tous là. Je vais traverser par l'océan de glace, ce sera beaucoup plus rapide. Et au final, c'est moi qui ai été le first. Oui, bon, écoute, Tinjoff, tu sais ce que je vais faire. La prochaine fois que tu te vends de quelque chose dans cette série, je vais te bannir. Oh, ou pas. Et tu vas baisser l'audience. Ouais. T'as banni Tinjoff, t'es trop un FDP, espèce de CLB de merde là. C'est quoi ce pseudo en plus? D'ailleurs, est-ce juste un pseudonyme dû à un manque d'imagination? C'est un pseudonyme dû à un manque d'imagination, si vous voulez savoir. Mais bon,
Bah, oui, je cite des paroles qui ont failli être dans l'Epic Pixel Battle 9, mais qui n'y a finalement pas été parce que c'est dans le temps son cache en fait. J'attends vraiment d'activer ce levier. Je suis dans un coin vraiment avec plein de. Oh, putain, il y a un Blaze en fait. Fasse gaffe à ce que je fais. Oh, j'arrive, hein. Je me fais spammer. Ah, bah, tu es au niveau du donjon parce que s'il y a un Blaze, ça veut dire qu'il y a. Ouais, mais là, il y a un donjon qui est sorti et tout. Oui, il est à moitié sorti. Oh, je vois où tu es. Est-ce que je tire sur le Blaze là? Ah, mais c'est bon, j'ai tué le Blaze, là je suis arrivé en fait. Ah non, ah oui, ben. Bonjour. Weathershock. T'as une flèche dans la nuque. Regarde-toi un double F5. Le point non, non, tu dis pas l'autre mot. On voit les flèches pas au même endroit selon qui on est. Moi je la vois coincée en dessous du cœur. T'en as une en dessous du cœur, t'en as une dans la nuque. Ah oui, en effet, j'en ai une dans la nuque aussi. Et t'en as une autre qui est complètement plantée dans ton crâne. Ah oui, en effet. Et t'en as une qui t'est rentrée dans le cul. Sérieusement, je suis pas très fan de cet humour. Franchement. Watershock, vu que t'as l'air de galérer pas mal, on va t'aider pas. Ok, merci. Attends, j'étais à 200 blocs. Bref, c'est pas très grave, on a fait le tout chemin. 2, 1, très bien. Oh, c'est l'adore. Ellipse. Et le live donc pas d'ellipse. Hein. Quoique, on va dire que si. Hop, vous n'avez de non, ça c'est le pic d'audience. Vous n'avez plus d'image, voilà. Tu sais qu'il y avait 3 squelettes qui sont descendus du trou là. Oui, oui, mais ce que je veux te dire c'est qu'il y en a 2 qui tombent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème, CLB? Il y a un message qui aurait dû s'afficher. Ouais, des torches. Moi, j'en avais déjà. Attends. Ah, en fait, je pensais que c'était fait exprès, mais en fait, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait manuellement. Toi aussi, t'essayes de le shooter. Voilà. Donc, le message, il s'est déjà affiché, CLB. Seulement pour toi. Ah, d'accord. Ouais. Et moi, moi et Watershock, on s'amuse à tirer sur un squelette pour l'instant. Attention, CLB, enfin. Ça va être pour nous deux parce que. Hop. Voilà, on est de retour. Pour vous jouer à mon retour. CLB, je suis prêt à prendre la première porte d'assaut. Tiens, Epic Queen, si tu veux, tu peux t'inviter. Yep. Ah, CLB, je prends la première porte d'assaut. Tu es prêt? Je prends la deuxième. Attends, Jacques, tu peux me dire si on invite des gens. On invite un monsieur. Bon là, pas. Tu t'alignes au centre en fait. Attention. Donc du coup ça va pouvoir commencer. Attendez, slash game rule. Comment dire, slash game rule. Merde, la game rule. Keep inventory, true. Le temps de faire les donjons bien évidemment. Hop, et on va arrêter l'épisode là-dessus, les amis. Donc j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve pour le prochain. Donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Ah, il y a trop de squelettes ici. Évidemment, ça ne vous laisse pas pour le live. Trop de squelettes. C'est quoi cette merde? Bon bah ok, il a pas répondu, pas de problème. Attendez 2 secondes. Epic Queen n'a pas répondu, donc l'épisode 17. Putain, arrêtez de me spammer. Mais merde, merde, non. C'était très beau. Alors, putain, mais hop. Mais venez pas me spammer jusque dans les ténèbres de l'aube. Putain de merde, j'essaye de set le dossier pour l'épisode suivant, espèce de. Alors, putain, non mais. Je vous emmerde, je vous reset. Je parle des squelettes, hein. Je veux définir que c'est l'épisode 1 de 17. Voilà. 3, 2, 1. Ah, bonjour, Minecrafter. Blablabla. Ici, c'est LB35. Au fond du donjon. Parce que ces connards de squelettes m'ont spam pendant que je mettais le dossier en place. Et oui, donc on est encore une fois et en live et en vidéo. Je vais consulter. C'est LB, je t'annonce la bonne nouvelle. Je suis presque invincible avec mon P2. J'ai perdu qu'un cœur. Alors que j'étais devant un spawner. Oh, les gars, j'ai les araignées. Osef. Les araignées, les gars. Osef. Mais pour les lits. Ouais, ça peut être pas mal pour le retour. Voilà, j'ai timer de 30 minutes lancé. On n'a pas de lit du coup. On n'a pas dormi dans les lits, fuck. Moi en fait, j'ai quoi avoir masse lit. Il y a masse d'araignées, masse. On les portera à ce moment-là, mais faut pas qu'on meure tous en même temps par contre. Ouais, j'ai juste envie de dire. Merci beaucoup, le micro de je ne sais pas qui. C'est moi, c'est une connasse de moto qui passe. Ah, quelle connasse les motos. Alors voilà, 9 aussi bizarres mini-offrandes. Ou les Blaze.
ou les blazes. Je crois que j'ai bien fait de prendre plusieurs pioches en fait. Moi j'ai 3 pioches sur moi, une en diams. Merde, j'ai pas assez d'endiams. Putain, ah, elle est j'ai, où j'ai 3 pioches. Elle est où ma pioche ou en diams? Les blazes. Oh non, j'avais droppé là-haut. Putain, fais chier, va falloir que, que je me la regive. Parce que là, je peux pas la retrouver, c'est à cause d'un bug. Putain, j'ai perdu. Et là, j'ai plus aucune pioche. Faut vraiment que j'aille voir en haut là si j'y suis, parce que sinon là, je vais sans doute perdre beaucoup. Va en haut si t'y es. Connard de squelette, arrêtez de me suivre partout. Je vous ai fait quoi à la fin? T'es rentré dans notre donjon, espèce de petit insolent. Et je vous emmerde. J'ai cassé un connard. C'est ce que eux t'auraient dit s'ils pouvaient parler, CLB. Ce donjon est bien plus profond et bien plus vaste que le précédent. Ouais. Et genre vraiment. Je pourrais heureusement que t'as pris des donjons, sinon on pourrait faire autre chose. Heureux. Heureux, ouais, bah tiens, Spirit Wolf, t'arrives au bon moment, on est dans le donjon. Oh fuck. Alors, bon. Ah, j'ai un deuxième stack, oh génial. Et j'ai un seau d'eau, je tue les blazes à coups de seau d'eau. Bon, faut que je trouve le donjon, lui. Bah non, on va téléporter. TP toi. Et donc, CLB, donc, pas perso, de l'intégralité des coffres. CLB, j'ai la technique contre les blazes. Tu mets un seau d'eau et tu regardes. Oui, évidemment. Alors, Spirit Wolf, je te conseille de mettre ton armure. Vraiment. Et j'ai de quoi faire ma sli, là, donc... Parfait. Ouais, mais moi j'ai de quoi laguer. Il y a un putain de squelette qui s'est caché dans la redstone, sérieusement. Attendez, je me mets en game mode 3 juste pour. Ouvre-moi, j'ai une pioche en. Mais merde, diams, elle est où ma pioche en diams? Elle est où ma pioche en diams? J'ai perdu ma pioche en diams définitivement juste à cause du fait que j'ai dû checker la redstone. J'avais dû dropper ma pioche en diams à ce moment-là, je me souviens. Tiens. Il y a beaucoup trop de blaze dans ce donjon. Bref. Y a Skrylex qui parle. Skrillex, je pense, non Skrillex. Epic Queen. Je peux venir, c'est sur quel serveur? Point d'interrogation. Oui, tu peux venir. Le nôtre. Juste que tu répondes. Ouais. Bravo, Watershock. GG. Merci. C'est bon, j'ai eu le spawner, là. Qui a appelé la conf la dernière fois? Ça doit être Tinjoff, hein. Ouais, attends, ouais. Je l'invite. Bah, Epic Queen. Putain. Je vais faire 4 lignes. Putain de moto de mine. Ah, j'adore faire beaucoup de bruit. J'ai perdu ma pioche. Pourquoi moi? Bon. Venez passer voir ma chaîne. Spirit Wolf. Bloquer l'utilisateur. Ah, j'ai rien à côté. Voulez-vous vraiment bloquer cet utilisateur? Évidemment. Et oui, tu peux nous rejoindre. Oui, tu peux. Et supprimer le message. Je lui ai envoyé une demande de contact, là j'attends. C'est bien Skrylex, hein? Oui. Ouais. J'ai 5 lignes, les gars. Ok. Alors, ok, bah dehors, parce que moi je m'en fous. C'est que j'ai pas de pioche. C'est la sortie du donjon, on s'en fout. Bonjour, CLB. Vous en sortez bien jusque là? Nous, on a fini la première porte, on l'a fini. N'oubliez pas qu'on a fini la première porte. Donjon, on reçoit... La deuxième aussi. Putain, le deuxième merde. Aussi. Pousse-toi, je veux tellement me suicider. Bref. Au pire, chacun se fait une ligne. Ouais, bah Spirit, tu descends avec moi au fur et à mesure quand je te dis de descendre. Oh putain, je suis dans la merde. J'ai un blaze qui va stall. Bon, bah t'as plus qu'à sauter, Spirit. Sinon, je peux plus creuser. Merde. Ah si, c'est bon, je peux creuser. Tu peux tuer le blaze en face? Il est sur moi, les gars. Yolo. Ouais, bim, c'est torché. Bouge pas. Ne bouge pas non plus, Spirit. Yolo. Merci. Voilà. Au pire, Mais bordel de merde. Laissez-moi casser ce putain de spawner. Oh là 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 là. Je vais être encore obligé de torcher la zone et de faire un génocide. Putain. Torche. Génocide de gens déjà morts. Bon, je sais pas si ça pose un gros souci. Aïe. Oh putain. Tu balances des trucs dans le trou, hein. Où est passé mon épée? Bah, putain, j'ai chaud. Où est passé mon épée? Ah ouais. J'étais en feu, merde. Ouf. Putain, c'est hardcore. Un coffre? C'est hardcore, j'ai tout. Le plus gros dégât que je me suis pris, c'est un cœur, hein. Ouais, ouais, mais toi, t'as. Moi, je me suis rien pris. Oui, je l'admets, j'ai un stuff full P2. Mais je lag à mort. Vraiment à mort. Ouais, je drop un petit peu ce qui m'est. Spirit Wolf, t'es où? T'es passé où, Spirit? T'étais avec moi et là, je te vois plus. Oui, c'est normal, j'étais dans l'eau parce que j'étais en feu. Ah, si t'es en feu, tu me le dis, j'ai un seau d'eau. Ah, d'accord.
Bon, par contre, je peux retrouver là, c'est vrai que ah ouais, je vois le genre. Derrière. J'ai reçu un message Skype, lol. Moi, derrière, Spirit Wolf. Attends, bouge pas. Et Pink Queen, je sais pas qu'elles servent. Je t'écris l'IP pendant que je me fais massacrer par les mobs en même temps, je suis trop un thug. J'arrive pas à l'inviter dans la convo en fait. Yes. Y'a pas le truc qui s'affiche. Oh, bah, vas-y, là il y est dans la convo. Hein. J'ai 5 fers. Hein. Arrêtez de me spammer, putain de merde. Ah, bah si, c'est bon, il est là. Je donne l'IP, mais je sais pas quelle est l'IP. Oui, on t'entend. Tu es en live. Tu es en live et en vidéo. Yo. MDR. Cool. Alors, putain de. Oh là là, je dois faire. Trucs. Je dois faire 50 000 trucs en même temps, c'est juste ingérable. Bon. Alors, désolé pour l'épisode de MVO qui va être. Mort 5 games, ouais. Et là, je vais essayer de t'envoyer. Alors, je vais m'éloigner parce qu'ils sont en train de se fighter là. Je vais essayer de t'envoyer le fait, mais non, c'est compliqué. C'est moi, et tout le monde parle en même temps. C'est tout le monde, tellement tout le monde c'est parle. C'est sûr qu'elle sert. Ah, deux secondes, c'est sérieux. Oh là là. Hop, voilà, l'IP est dans. Aïe, je suis en feu, Vite, solo, dépêche-moi. Attends, solo. C'est drop. Ah, c'est bon, que ça. Voilà. Je lag. C'est quelle version? 1.8. Ah, putain, j'ai plus qu'un cœur. Protège-toi, je te protège. Spirit Wolf, viens avec moi. Non, reste avec moi, je te protège. C'est bête, regarde-toi. Génocide. Heureusement que j'ai un clockback, merde. T'es protégé, Spirit Wolf, tu risques plus rien. Ouais, là, c'est bon, ça devrait être. Viens, on va cette notre spawn, Spirit. Non, c'est bon. Moi, je risque. Non, mais comme ça, si on crève, au moins. Là, mon truc, il est sûr. Vas-y, viens. Oula, je commence à prendre des dégâts là. N'oubliez pas que dans les coffres il peut y avoir de la laine. Ben moi j'ai eu un bloc d'émeraude, 5 gems et 5 fer. Disons que j'ai perdu la M6 attaque dans la bagarre. Epic Queen, quelqu'un t'es. Ouais, c'est pas la nuit, Epic Queen, quelqu'un téléporte dans le donjon. Le problème c'est qu'il n'y a pas de stuff. Alors, comment dire, on n'a pas du tout de stuff à te donner, on est en train de prendre un donjon ultra dangereux. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est pas grave. On lui laisse sa chance. Et on le TP. Voilà. On regarde comment il réagit. Ok, je vais te TP. Aïch. Epic Queen, ça fait longtemps que t'es pas venu d'ailleurs dans les vidéos. Voilà, donc t'es dans un donjon, balade-toi. J'ai posé les 5 lits. Donc. Trouve des trucs. Ouais, mais c'est pas encore la nuit, tu vois, donc on peut pas dormir. Ouais, mais comme ça, moi, quand ça MDR, sera la nuit. MDR, il a le skin de Monsieur Garon, un skin qu'on avait pris pour une série RP qui n'a jamais abouti. Ouais. Bon, ce serait bien, j'aimerais bien reprendre des trucs dans ce champ. Allez, rush! Mon skin, je l'ai fait moi-même. Ah ouais, bah il doit se baser sur quelque chose de connu parce que il est très similaire à un truc que je connais. 5 games, de l'émeraude. Et vous avez vraiment rien à me donner? Rien du tout. 5 games. Pas pour l'instant, non, là on a vraiment rien. Une salle pleine d'araignées, ça va être chiant ça. Aïe. Non, les salles pleines d'araignées, c'est easy. Hein. Oui, non, mais c'est moi qui, c'est un Joff. Oui, c'est un Joff qui a parlé. Ouais. C'est easy, je sais, mais ça va être chiant d'avancer. Alors. C'est rien ici, rien là, nulle part. Oui. Oh putain, heureusement qu'il y a plus de merde. Tu peux. Ah, éventuellement, tu peux prendre le contenu du coffre. Et... La prochaine fois qu'on va dans un donjon, on emmène de la TNT. Ouais. Putain. Je peux t'envoyer éventuellement. Oh, j'ai cru qu'en fait il y avait rien. Mais non, en fait il y a des. Et prends vraiment, ouvrez vraiment tous les coffres, même si vous êtes presque sûr de les avoir déjà ouverts. Bah, cassez-les au fur et à mesure, c'est plus intéressant. Là où il y a les lits, enfin là où j'ai mis les lits, c'est ok. Voilà. Squelette de merde. Genre. Putain. Non mais j'y vois rien. Squelette. GG Watershock. Ouais, mais en fait là je. En fait là je suis contre 3 zombies, 4 zombies. 5 putain. Je suis complètement paumé en ce qui me concerne. Ah 7 putain. Je suis Didiane dans ma possession. Me voilà fort bien paumé. Un conseil, ne pas tomber en bas. Me voilà fort bien paumé. Oh là là. Moi je suis tranquille. Hein. Moi je suis tranquille. Y a pas de salle. C'est inutile de creuser parce que on peut pas trouver de salle en creusant. Attention sur la pipeline. Toutes les salles qui sont présentes sont connectées à une autre salle. Et elles sont aléatoires. Je suis en feu. Je cherche la sortie. J'ai exploré toutes les salles de ma branche, le problème c'est que. Tronçonneuse et voilà. Désolé pour l'accueil un peu rude, Epic Queen, mais. Coucou Spirit Wolf. On est en plein milieu de l'action et on est en live en même temps aussi. Je vais désespérément essayer de voir si le chat. Ouais, si. Voilà. J'ai 5 diamants, un bloc d'émeraude et 20 fer. Et 10 fer, pardon. Voilà. 10 diamants, 5 fer. Putain. Spirit Wolf, comme moi je perds presque pas de cœur, passe-les-moi.
Moi, je presque perds pas de vie. Moi, j'ai plus de FPS. Jusque-là, je suis pas mort, t'inquiète, faut pas déconner. Oui, mais t'as failli mourir. J'aurai peut-être bientôt plus de mémoire sur mon PC, donc il va. Je sais pas comment je vais me démerder du coup. Oh là là, c'est chiant. Je perds 3 coeurs alors parce que je suis en feu à cause d'un blaze. Mais... Non mais moi je perds un coeur alors que je suis dans une salle pleine de squelettes, de mobs et de blaze et tout ça, je perds un coeur. C'est ça que je veux te dire, Spirit Wolf. Mais t'inquiète, tout ira bien. Éclair, aide-moi. Je peux pas tuer les mobs et péter les squelettes et torcher en même temps. Je peux pas me téléporter à l'un d'entre vous parce que là je suis, si vous n'aviez pas suivi, je suis un peu paumé. Oui, si tu veux, tu peux me TP à moi. Ah là, je commence à perdre. Au pire, on fait tous. Enfin, on va tous en même temps dans le même donjon. Non, évitez de. Non, il faut surtout pas se mettre tous dans une branche en même temps, sinon c'est impossible. Bah oui. Il y a le droit de se TP ou pas? Oui, pas trop, mais oui. Là, en l'occurrence, t'as le droit. Et je crois surtout que t'as pas de stuff. Ah putain, je lag. Il faut casser le spawner. Oui mais moi je tue les mobs parce que sinon je... Oula. Ouais d'abord faut inonder la salle, ouais. Alors que j'avais posé une torche, bon, bref. Les torches, essayez de les poser au mur si vous pouvez, c'est plus pratique pour dans le cas où justement je... Quel pignon de la salle. Faut casser les corps au fur et à mesure. Oui bah quand t'as une salle remplie de mobs, tu fais pas forcément attention. Une fois qu'elle est finie. Essayez, c'est pour ça que je dis essayez. Si vous y arrivez c'est pas, c'est qui Spiritus Wolfis? C'est Spirit Wolf. Voilà. Ah, t'as changé de pseudo? Ouais. Oui. Ok. Je jette tout ce qui m'est inutile, c'est-à-dire le bloc d'or. Comment on sport imagine marche. Le gars, c'est. Se péter, bon. Non, je vais pas les jeter ces deux blocs d'or. Mais cette branche est logiquement finie. Ce donjon est hardcore bien plus que le précédent. Ouais. Cette branche est finie. Alors les branches finies. Ce qu'on fait, c'est qu'on casse tout l'avant. Tout simplement, voilà, les deux niveaux de l'avant, ça c'est fini. Et on les fait niveau par niveau. Ah c'est oui, il est pas encore dans un team Epic Win, du coup il y a Free on the Fire, pour faire gaffe. Ouais, ça c'est trop. Bah vas-y, je le fais si tu veux. Teams join MC4 at A. Voilà. Ah merci. Ah, putain de. Ah. Pourquoi il y a des lits ici, bref. On peut dormir. Ah oui, c'est moi. Oui, dormez tous, comme ça on respawn dans le donjon. Ouais. Attendez, je trouve pas la sortie, je n'étais pas à quelqu'un. Donc, Ah putain de merde. Le speed, j'ai pas habitué. Fais gaffe, y'a plein de zombies en bas, normalement. Bon voilà, j'ai assez dormi, moi je continue le donjon. Spirit Wolf, passe devant, s'il te plaît. Ah, Epic Queen, je suis arrivé trop tard. Pourquoi est-ce qu'il y a un gros merdier, là? Désolé, c'est la salle d'au-dessus. Regarde, j'ai fait un truc pour jeter mon stuff et ça s'est tombé ici. C'est pour ça que j'ai voulu que tu passes en premier. Je suis level 20. Tiens, je commence une nouvelle branche là. Là. Oh putain, il y a beaucoup trop de zombies par ici. Je commence à prendre un petit peu cher. Mais il y avait quoi dans le coffre? C'est brillant, parce que c'est nul. Non. Bah non, ce serait encore pire à l'intérieur du donjon. Ah oui, ouais. Bon, y'a rien ici. On putain, mais arrêtez, côté. Sérieux, mais laissez-moi bouffer ma viande tranquille, quoi. Oh, mais ils non, sont insupportables. Tu crois qu'ils vont me laisser de ces gènes tranquilles, les mobs? Putain, mais arrêtez, sérieux. N'importe quoi, les mecs. On est tous au même endroit. Non, mais. Mais le savoir-vivre, vous connaissez le savoir-vivre? Non. Parle à qui? Putain, mais. Oh, bah, je suis obligé de partir en urgence du donjon parce que là, tout le monde est en train de vouloir ma mort. Et ils me suivent en plus. Oh les FDP. Calin, CLB. Tu vois tout ce que je me suis tapé, c'est. Tu vois tout ce que je me suis tapé, CLB. De toute façon, tant que quelqu'un trouve le. Tant que quelqu'un trouve la clé, c'est parfait. Après, la clé, elle est plutôt bien cachée dans ce. Oh genre, bordel, on a un accès aux grottes. Ouais. De l'autre côté on aussi. On va dans une salle, nous deux. On va dans une salle, nous deux. Aussi, bon, cette branche est finie. Non, mais ma elle est à peine. Ça a cassé avant la fin du donjon. Ah non, mais on est pas en diam, c'est là j'éclaire le truc, même s'il y a beaucoup trop de monde là-dedans. Ah oui, ça va. De temps en temps, il va falloir qu'on s'autorise un kill @e parce que là ça devient presque injouable pour moi. De tout en fait là. Slash kill @e type égale note human. Mais le problème, c'est que ça risque de tuer aussi nos entités chères à nos cœurs. C'est-à-dire Ah oui, protéger. Nos chevaux. Attends, sinon j'y vais. Putain, mais. Non, il y a beaucoup trop de monde ici. Je peux pas taper la commande. Oh, il m'a fait peur ce coup. Je crois qu'on l'a déjà fait, Oui, celui-là, on l'a déjà fait.
Il faut descendre, mais non, faut descendre. Mais... Ah, oh, putain, mais mon armée est trop chère. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer toutes les entités qui ne sont pas des humains. Oui, mais descend, 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 descend. Slush, kill, en base E, type, égal, player... Zombie et Blaze. Zombie et Blaze. Non, mais je peux pas choisir deux entités en même temps. Player... Oui, mais tu fais un coup les zombies, un coup les Blaze. 100. Wow, 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 ça lag. Oh, ça lag méchant. Voilà. Oh, putain. Oh, le retour d'FPS. Oh, le retour d'FPS. Les gars, faites F3 plus D, ça claire votre chat. Je prends plus D. Ah, ça fait pas de terre. Ah, ça, celui-là, je le connaissais pas. Non, mais venez m'aider. Mais sauf que ça drop mon épée et que j'ai des araignées autour de moi. Venez m'aider. Ah, t'as mis ton drop sur D. Ouais. Ah, SLB. Ah, putain merde, de merde. Ah, putain. Je vais crever. Non, c'est bon. Je m'en fous, j'éclairerai cette salle, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. Maintenant, faut que je bouge, sinon je vais mourir. Hey, y a une personnellement, je vais rester dans cette salle le temps de régène. Hein. Voilà. Oui, bah, si, j'aurais fait la même chose à ta place. Mais là, ce qui me fait chier, c'est que les araignées venimeuses nous agressent. Oui, non, ça, non, c'est non, sûr. Non, elles empoisonnent pas, Ah oui, on est en easy. On est en easy, ouais. Heureusement, parce que là, sinon, on serait dans. On serait juste en train de mourir. Cette branche tout seul, c'est juste du suicide. Détruis, détruis, je m'occupe des Le spawner est détruit. Yolo. T'es torché. Yolo. Oh putain. Ah non. Oh. C'est une Nether Star. Putain, putain, putain. Ah, je pensais que c'était un clay, mais non, c'est une Nether Star. Spawner détruit. Casse-toi, torché. De merde. Casse-toi. Mais putain, mais. Oh, c'est dingue ça. Ah, bah, adieu. Epic Queen se bat sans stuff, hein. Précisons-le, Epic Queen se bat sans stuff. Ouais, ouais, quand même. Adieu, vous avez putain, mais mon stuff, on y a tiens, Epic Queen, et... Epic Queen, viens là, tiens. Ouais, j'ai perdu ton stuff. Tout ce qui est utile pour du stuff, c'est-à-dire ça. Ah, merci. Ah, attends, tiens, je t'en donne 5 plus. Voilà. Moi aussi, je t'en donne. Par contre, j'ai trouvé une Nether Star dans un coffre. T'as trouvé quoi? Ah, bah, une Nether Star dans le coffre. Ah, bah, oui, ça arrive. Tu prends tout. Ça arrive, tu prends tout. Si tu trouves une clay, par contre. Pareil, là, je vais. Si tu prends une clay, tu cries. Ah merde! Tu satures ton micro! Mais c'est merde, par contre, j'ai laissé la table de craft là-bas. Pas grave, on a déjà fait plus de la moitié du temps. J'ai 48 bois là donc. On a fait plus de la moitié du temps et au terme du temps, on se donnera la clé nous-mêmes. Et c'est quand même plus glorieux de la trouver. Hein. Je dis ça. Vous pouvez faire une table de craft s'il vous plaît? T'es où, Epic Queen? Faites une table de craft. Je suis là. Ah, c'est ici la sortie. La sortie est ici. Merci. C'est bien fait de prendre du poids. Epic Queen quand il y a des mobs. Et tu peux faire des bâtons. En fait, Epic Queen c'est un type qui est épique, mais quand il y a des mobs par contre il se met à queener. Epic Queen. D'accord. J'en ai déjà fait des meilleurs, des blagues, hein, mais bon. Ouais, ouais, quelqu'un n'a pas une enclume, sérieusement. Je suis en train de demander sérieusement. T'as régressé avec le temps. Personne n'a d'enclume, franchement. Non, vraiment pas. Et personne n'a de fer en grande quantité. J'ai 10 lingots de fer, à nous 4 peut-être qu'on aura assez pour Oui mais Epic Queen se fait un stuff, mais pourquoi t'en as besoin? Mais parce que mon stuff en dev va finir par mourir. Ah mon stuff en dev s'il est encore vert, mais je peux pas, désolé. On a pas de quoi. Dès que si j'ai de quoi, non, une salle entièrement pas prise, je vais tellement décéder. Ok, je vous rends le fer peut-être si vous voulez. Non, garde-le. Oula, Blaze dans les grottes. Spirit Wolf, tu peux le tuer s'il te plaît? Portail de merde. Rambob! CLB? Oui? J'arrive! Rambo. J'arrive, CLB! Tu sais que j'ai atteint les 400 abonnés? La vache! J'ai cassé le score! Oh! Génocide! Oh! Yeah. Putain, j'ai dû applaudir alors que j'étais en train de combattre des mobs. Bon. T'as une flash, ça peut toujours servir. Moi, je suis arrivé par les plafonds. CLB, en fait, on est les deux seuls à avoir applaudi quand même. Applaudis. Non, mais quand même, la vache, on a moins d'abonnés que toi, quoi. Il a combien d'abonnés, Epic Queen? Plus de 400. 400. Mais arrêtez de m'appeler Epic Queen, s'il vous plaît. Ah, bon. Ah d'accord. Bah, oui, t'es censé t'appeler comment en fait? Skilex. Ah, d'accord, Skilex. Parce que Epic Queen en fait. Et non pas Skrylex. Ah, putain, tu sais que. Attends, je suis en. Tu sais que tu peux changer de pseudo maintenant. Pour les squelettes. Oh putain. Bah, oui, mais ils avaient dit ça pour un 1.8. Je l'ai. Gigi, c'est possible, hein. J'ai la clé. Les mecs, j'ai la clé. Victory. Ouais. Je l'ai. La vache. Il y en a qu'un seul. Je faisais ça, j'ai aussi téléporté. Oui. Oh putain, c'est moi qui ai trouvé les deux premières clés, tout seul. Oh
Oh la vache, non, pas tout ouais, seul. Ouais, dis-toi que sans notre aide, tu serais mort. Hein. Oui, ouais. La, mais allez là-bas, parce que là, il y a un spawner, il y a un spawner, il y a un spawner, il y a un spawner. Ah, j'ai besoin. En deux tiers du temps. On a trouvé la clé. J'ai mangé. Par contre, là, je crois il faudrait qu'on rentre par contre. Fuck, et c'est pire qu'un spliff si tu te casses la gueule, hein, dans ce donjon. Si tu te casses la gueule dans ce donjon, c'est pas ouais, je l'ai eu spliff. Merde, j'ai droppé ma pioche. Alors, moi, j'ai, dans la bataille, j'ai perdu ma M6 Attax. Merci. Bah, n'empêche, on a quand même trouvé la clé, donc. Je monte tout en haut. Ah, ici, c'est terriblement éprouvant. C'est LB, je monte tout en haut. Fais gaffe. Il y a un spawner, Est-ce que je peux monter tout en haut et téléporter tout le monde à moi? Comme ça, c'est oui. Réglé. Attends, nous on a encore des trucs. Oh la vache, c'est pas nous on a encore des trucs. Même, s'en fout, on a la clé, c'est le plus important. Ouais, après, ce qui serait sympa, vous battez avec les mobs tranquilles et moi je vais essayer de trouver les quelques coffres restants quand même. Ça pourrait et c'est LB? Oh, il y a des blazes! Beaucoup, je vais pas LB? Oui. Est-ce que tu vois les commentaires sur YouTube? Là actuellement je les ai pas consultés depuis un petit moment parce que disons que c'est compliqué. T'as pas de double écran? J'ai pas de double écran non. Ah moi j'en ai un. Putain je t'étais pas moi. Putain. Enfin, c'est moi il y a du freeze, oui il y a du freeze. Désolé les mecs. Ah oui là mais tout le monde freeze là. Il y a encore des... Tout le monde freeze, ah bah, il y a des tout le monde, le live freeze, tout freeze. Allez faut qu'on rentre, c'est en... J'ai cassé le spawner à Blaze. Non c'est pas encore TP. Je suis bientôt en haut. Je suis tombé 3 fois de suite, et c'est pas facile. Il y a Minecraftien du 9111 qui dit c'est moi ou il y a des frises. Oui, oui, c'est LV Lavue et oui, il y en a des frises. Mais oui, évidemment, mais tout le monde dit ça, mais c'est normal. On peut pas faire autrement. Bah, moi perso, j'ai pas de frises. Mais je veux dire, ouais, mais le live, il a des frises. On stream et j'ai pas une collection de fous donc. Non, je suis bientôt en haut. Je suis coincé contre un mur de. Putain, fais vite parce que là, je vais peut-être mourir. Hein. TP, tu peux TP, c'est bon. TP, attends, nous on a pas encore. Attends, attends, parce que okay, nous, on a encore des trucs. Non, on a encore des trucs, on a encore des trucs. Moi je suis là. Mais c'est pas parce que le donjon est pas fini. Le donjon, c'est impossible de le finir. Je vais vous montrer en game mode 3 pour vous donner une idée. Mais les donjons sont tellement finissables. Ce donjon, en plus, il est énorme. Il est énormissime, ce donjon. C'est un des plus grands, je pense. Attends, là, nous on a encore des. Alors c'est armure après celle qui est où ah, mon armure elle est passée. Si tu casses le spawner, si tu défonces, c'est que t'as un bloc d'or. Spirit Wolf, bouge pas. Comme je vais devoir me déconnecter, je te passe tout ce qui est précieux. Ah oui, ah ouais, d'accord. Joie. Donc je vais arrêter l'épisode ici, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'aurai pas la possibilité d'en recorder un autre, malheureusement. Donc il faudra s'arrêter ici et stop le serveur ici. Et par la même occasion, le live va s'arrêter. Attends, on stoppe le serveur. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que le live vous aura plu. Donc je vous remercie immédiatement du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB. Est-ce que je peux me TP aux chevaux? Bye. Est-ce que je peux me TP aux chevaux? Ça nous évitera de devoir faire tous donc les blocs. On arrête le live ici, les amis. J'espère que ça vous aura plu. J'ai les coordonnées dans le je bouquin. Vous redis au revoir, voilà. Eh, y a quelqu'un qui dit que tu fais des super vidéos. Ah, merci. Merci beaucoup. Et donc, voici la fin du live. A plus. A plus sous le bus. MDR. A plus sous le bus. A plus en LAN. Slash TP 3000. Normalement, là, le live s'est arrêté. J'ai cliqué sur arrêter le streaming. Ça devrait se finir. Il y a aussi Minecraftien du 9111 qui dit j'aime trop tes vidéos. 5103. Alors je vais me téléporter au niveau des chevaux, c'est LB. A plus. Si le sort crash à cause de lui. A plus. Spirit Wolf, bouge pas. Hop, j'y suis. Je vais devoir me déconnecter. Je vais dire peut-être récupérer les lignes, non ? Attendez, vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. Donc je vais arrêter l'épisode ici, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Oh putain, mais. Moi je vais jouer à Splatoon. Bah, moi aussi je vais y jouer. Moi aussi. Ah, ben, on joue. Attends, pas. Juste, c'est quoi ton ami? Tu peux donner ton nom, ton pseudo d'ami sur Skype? Ton pseudo, oui. Ton pseudo, ouais. Non. On s'est déjà un ami. Ah oui. On a déjà joué à Mario Kart ensemble. Oui, c'est vrai. Désolé. Ah, moi, je te trouve pas. Du coup, je vais créer un groupe privé.
Ouais. Je lui crée un propos privé à 3. Ouais, comme ça. Allez, on se retrouve sur Splatoon. Perso, je suis level 12. Je coupe la con. Ciao. J'éjecte. Ok. Ouais, bah, t'as joué, on se rappelle. A plus. Voilà.